Salut à vous autres! Alors, ça faisait, mais très, très longtemps déjà. Hein? Je veux dire, on s'est vu en début d'année, en janvier. Puis après, presque plus rien en fait. Non, même pas peut-être peut-être en début février, je suis plus sûr en fait. Mais en tout cas, il me semble que ça fait longtemps. Et que bon, <laughs> comme vous pouvez le constater, le décor a changé. J'ai déménagé. Mon éclairage aussi a changé parce que là, bon. Petit reflex etc., et tout pour qu'on voit correctement. Euh, pas trop de choix. On fait avec ce qu'on a, comme on dit, mais. Hein? Donc, euh, j'en profite. On est en début de live et euh, j'en profite pour vous dire donc, que le prochain mois de review de lecture, eh bien, je ne serai pas seul puisque celui-ci se fera en collaboration avec une booktubeuse. Une des livres a déjà été établie de lecture et je vous dirai quels sont les livres en question plus tard. Donc,. Euh, ben, soyez certains en fait, de déjà mettre à votre calendrier la review de lecture du mois de mai, qui, si je sais compter, aura lieu précisément le 6 mai. Donc le lundi 6 mai, euh, on va avoir une review de lecture et je ne serai donc pas seul. Et il va y avoir au moins 4 livres qui vont être discutés que je vais vous présenter. Potentiellement qu'il y en aura un autre qui va être lu à ce moment-là, ou peut-être deux autres, je verrai. Mais il y en a quatre au total toutes, pardon, qui sont des livres que cette personne-là a déjà lu et. C'est une petite playlist de livres, pas une playlist, pardon, une liste de livres qui fait office de les lectures suggérées par une booktubeuse dont le nom est Une Seconde Rox ou Roxane tout simplement. Vous en entendrez parler et vous la rencontrerez dans un mois. Donc sur ce, ben, sans plus attendre, en fait, euh, le mois passé, en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, en fait, presque tout le mois passé, donc presque tout le mois de mars, j'ai lu quand même un bon nombre de livres parce que j'étais bien installé, j'avais eu le temps de déménager. Mais mon mois de février a été beaucoup concentré sur mon déménagement et donc je n'ai eu le temps de lire qu'un seul livre durant ce mois-là. C'est pour ça que j'ai fait un combine de mois et que j'ai gardé donc le mois d'avril, le début du mois d'avril pour parler des livres de février et de mars. Mais je devrais plutôt dire parler du livre de février et des livres de mars. Les livres de mars qui, soit dit en passant, ont été beaucoup plus nombreux puisqu'il y a eu un total de 8 livres qui ont été lus au mois de mars. OK, il y, y en a un qui compte, il y en a quatre qui sont entre guillemets pour un mais vous allez comprendre vous verrez. Donc, avec sans plus attendre, donc euh, je vais afficher le premier roman que j'ai lu, donc euh, le, le roman que j'ai lu en, au mois de février et je crois que le mot roman fonctionne extrêmement bien. Alors euh, Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Donc euh, je voulais à la quatrième de couverture. L'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux. Elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux. Il y a cent mille ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes de Une seule a survécu, nous, les homo sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes Comment sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droit de l'homme À dépendre de l'argent, des livres et des lois À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir Véritable phénomène d'édition traduit dans une trentaine de langues, Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l'histoire à la science pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité, nos pensées, notre héritage et notre futur. Comment je dirais bien ça On commence simple. C'est, à ce jour, le livre que j'ai le plus détesté lire. Mais le plus détesté. Ça s'explique comment ben, Il y a beaucoup de choses en fait. Je crois que de vous lire mon cheminement émotif durant toute la lecture va vous aider un petit peu. Donc, on précise, l'auteur est prof d'histoire, ok c'est un prof d'histoire en Israël. Je veux dire, on parle pas d'un pays qui est du tiers-monde où ce y a, le savoir n'est pas accessible là. On parle quand même d'un pays où il y a beaucoup de gens qui ont accès à beaucoup de musées, il y a beaucoup de culture. C'est un pays qui est très riche en histoire Israël. Donc je ne vois pas pourquoi ça pourrait ne pas marcher. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose d'intéressant. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas construire une œuvre absolument magnifique. Et donc mon ressenti en va comme suit. Donc j'ai pris le temps de le noter, bien entendu. J'en suis à 70 pages environ et j'ai quelques doutes sur la démarche de l'auteur. Il ne cite pas toujours ses sources, fait des parallèles étranges par moments. Mais je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il analyse avec un œil contemporain les comportements et le mode de vie des anciens fourrageurs. Donc, les fourrageurs, ce sont des chasseurs-cueilleurs, précisément, de l'époque du début de Sapiens, avant l'agriculture et donc avant la vie bureaucratique. Il dit que chaque jour, les gens travaillent moins, laissant présager que la vie était plus facile autrefois. Or, on sait que même. Si le temps de chasse et de cueillette était plus bas que nos propres corps de travail à nous dans une journée, ça ne veut pas dire que la vie était plus facile et qu'on pouvait bavarder, se raconter des histoires, etc. Bref, ça ne veut pas dire qu'il y avait plus de temps pour le loisir parce qu'on passait moins de temps à travailler pour notre pitance, si on peut le dire ainsi. Parce que la survie était le travail du quotidien de toute façon. Donc 70 pages, je suis déjà en train de penser ça. Ensuite, je poursuis un petit peu plus loin. La démarche de l'auteur est très douteuse, très contradictoire, et je comprends pourquoi tant de scientifiques se sont insurgés devant le livre qui pourrait très bien être qualifié de roman. Donc, roman, c'est pour ça que je l'ai dit au début. En le lisant, j'ai plus l'impression de lire un essai politique qui veut me convaincre de quelque chose qu'un réel traité scientifique. D'autant plus que l'auteur ne cite pas toujours ses sources et qu'il y a lieu de se demander pourquoi il fait le choix de ne les citer que partiellement. Alors, c'est un prof d'histoire, ok? C'est un prof d'histoire qui écrit un livre qui se veut être une brève histoire de l'humanité et je comprends très bien qu'on ne peut pas. Je comprends très bien qu'on peut pas tout mettre dans un livre comme ça. Je veux dire, il y a 500 pages, tu peux pas raconter l'histoire du monde en 500 pages. Ça, on ce comprend tout à fait. Le problème qui vient avec ça, selon moi, c'est que ce que tu choisis de raconter, il faut que ce soit raconté correctement. Mais le problème, c'est que d'abord, tout est survolé, donc il n'y a que de la surface. Il y a beaucoup dans cette surface-là de fausseté, mais surtout, il manque de sources. Un historien est un scientifique rigoureux qui se doit non seulement parfois d'émettre des hypothèses, mais de les faire valider et de les prouver. Or, à aucun moment, on a de, pr de preuves. Donc, c'est plus une démarche historique, ça devient une démarche de réflexion philosophique. Et c'est pour ça, je crois, que l'auteur choisit de ne citer que partiellement ses sources et ne cite pas dans l'entièreté. Parce que la logique, ça aurait été, ok, je fais une brève histoire de l'humanité, je fais un, un roman, par exemple, un livre, et je ne mets pas de source parce que c'est lourd, la mise en page, etc. Argument tout à fait valide. Il y en a par exemple dans les thèses de doctorat qui mettent, tu sais, mettons, un petit 1, mais qui mettent toutes leurs références à la fin pour dire, mettons, où est-ce qu'ils ont pris ça? Fait qu'ils vont mettre un petit 1, un deux quelque part, puis à la fin, tac, t'as la référence. Merci, bonsoir, problème réglé. D'accord. Sauf que là ici, c'est juste partiel. Fait que de temps en temps, il ressent le besoin de citer ses sources, mais pas tout le temps. Et je trouve que ça manque de rigueur en termes de démarche scientifique historique. Déjà en partant, ça vient beaucoup me boguer. Donc euh, sinon ben j'ai eu un point positif par contre mention honorable au chapitre sur le sexe et le genre qui met de l'avant un débat et un enjeu en 2015, parce que le livre est sorti en 2015, qui n'était même pas encore à la mode et pas encore connu dans l'actualité. Et en plus, il donne des informations qui sont véridiques. Mention honorable, il ne fait pas juste écrire de la cochonnerie dans son livre. Il écrit certaines affaires qui sont très, très bonnes. Donc, rien à dire de ce côté-là. Donc, euh, j'en reviens maintenant au fait, c'est que vraiment, quand j'ai lu le livre, euh, je me suis dit, ce n'est pas un livre scientifique et ce n'est pas un livre historique, c'est un traité de philosophie. Ou quelque chose qui essaie de me vendre une théorie philosophique comme étant quelque chose de véridique, quelque chose de vrai, de fonctionnel. Et ça, malheureusement, pour moi, ben, ça, ça pose un petit problème parce que ce n'est pas la promesse du résumé. Rappelez-vous, je veux dire, un livre qui mélange l'histoire et la science pour remettre en cause tout ce qu'une pension sait sur l'humanité. Ben, je veux dire, la science a déjà prouvé et nous a déjà démontré ce qu'on sait déjà sur l'humanité. Ben, lui, il prend des choses qui ont déjà été démontrées, il étudie des périodes qui ont déjà été amplement étudiées et il amène une autre approche sans prouver quoi que ce soit en se basant sur des hypothèses, sur ses perceptions personnelles, et sur des liens qu'il a lui-même créés. Et ce faisant, ben, c'est vraiment pas une démarche rigoureuse, et c'est pour ça d'ailleurs que la communauté scientifique s'est insurgée contre le livre complètement, et que ce faisant, ben, il a été complètement t'sais, mis de côté, pas considéré du tout, du tout. J'ai malheureusement compris pourquoi Dredd, quand on l'a vu. Mais je vous dirais qu'en tant que prof de religion, il y a quelque chose qui est encore plus venu me chercher, c'est que, dans la troisième partie, du livre, parce que le livre est divisé en quatre parties au total. Je vais aborder ça un petit peu après. Dans la troisième partie du roman, il va aborder le concept de religion, okay? Et dans ce concept-là, eh bien, il va expliquer en fait là, que le, il va expliquer en fait que les protestants ont une vision des choses et que les catholiques en ont une autre. Le problème, c'est que ces deux visions qui sont fausses. Il va nous parler du bouddhisme aussi, mais sans même évoquer les principes que c'est en réalité. Donc, il fait juste nous donner des choses. Et il donne une définition de la religion qui n'est même pas la bonne parce que la religion a une définition, soit dit en passant. Donc, je me dis, tu travailles dans une université, tu es dans un des pays où la religion est la plus importante. Il y a trois religions ma majoritaires dans le monde qui, ont, euh, qui sont là. Puis, lui, il est de confession juive et il est homosexuel. Donc, on pourrait se douter que c'est quelqu'un qui est capable de penser en dehors de la boîte parce que, sans vouloir être plat, l'homosexualité n'est pas forcément quelque chose de très accepté dans les communautés juives. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à part de ça, c'est que t'es un prof d'histoire, t'as accès à du savoir dans une université en Israël, où est-ce qu'il y a trois grandes religions qui se regroupent? Je, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait si peu de choses qui aient été validées, aussi simple qu'une définition claire de la religion, et aussi simple qu'il y a des faits historiques basiques sur lesquels donc ils décident de prendre appui pour justifier un point de vue, tout simplement. Donc, moi ça, ça, ça me pose un énorme problème. Donc. Ensuite, euh, la dernière partie, donc la quatrième partie, me fait froncer les sourcils dès l'affirmation du premier constat. Juste la théorie des humeurs. Les premières notions sur la démocratie à Athènes ou le savoir sur la théorie géocentrique ont été bien pensées, ont bien été pensées par des gens qui ont fini par les considérer importants. L'auteur parle comme si les religions étaient les seules détentrices de savoir important et que la population s'entendait à ce sujet. La réalité, c'est que l'auteur est issu d'une famille juive et je ne crois pas que cette religion soit celle qui ait les membres qui ont apporté le plus d'avancées scientifiques avant la révolution scientifique. C'est un fait qu'il y avait très peu de scientifiques juifs connus avant la révolution scientifique qui apportaient des choses. Dans le fond, lui, sa thèse dans cette dernière partie-là du roman, c'est qu'il dit que on considérait en tant que population que les figures religieuses étaient les détentrices du savoir essentiel et que le reste du savoir, ben, c'était pas important. Parce que si, par exemple, les religions ne répondent pas à ces questions-là, ben on s'en fout. Par exemple, pourquoi est-ce que les araignées bouffent les fourmis dans des toiles? aussi simple que ça. C'est une question que beaucoup de scientifiques aujourd'hui aimeraient se poser qui essayer de comprendre comment les araignées font leur fonctionnent. Sauf que si la Bible, la Torah, le Coran, peu importe, n'offre pas cette réponse-là, ben, c'est que c'est pas assez important pour être répondu. Donc ce savoir-là est considéré comme un savoir pas essentiel, donc mis de côté. Mais si une réponse à une question se trouve dans la Bible, eh bien on considère que c'est un savoir essentiel. Et ça pour moi c'est un problème au sens que ça vient d'une vision qui semble teinte par le fait que il n'y a pas eu assez de figures scientifiques juives à l'époque pour justement justifier autrement. Alors que dans les autres religions, ben l'approche avec la science n'était pas tout à fait la même. C'était même une approche collaborative avec la religion. Tu sais oui, on s'entendait pour dire ok c'est Dieu qui écrit ce phénomène là, mais comment est-ce qu'il marche Ça c'est intéressant. Puis on arrivait à s'y intéresser quand même. Donc euh... Moi, c'est là que je vois vraiment un problème, c'est pour ça que je dis, ben c'est plate, mais si t'as pas de figure scientifique qui réussisse à rééquilibrer le discours au sein de la religion juive, qui est très très fermée en général, forcément c'est une façon de penser qui peut venir cogiter. Fait que je blâme pas l'auteur de penser comme ça, puis d'avoir cette théorie-là, probablement en plus son éducation, malheureusement, mais ça reste que c'est une théorie qui ne fonctionne pas. Donc, finalement, donc ensuite, ah, lorsque l'auteur parle de capitalisme et de la fausse idée que le libre marché fonctionne ainsi. Que de l'évolution scientifique qui a eu lieu, surtout en raison de la volonté des élites dirigeantes d'asseoir des dominations militaires ou économiques, je me surprends à être d'accord avec lui. Il était temps. Donc, en gros, ce qui explique, c'est que ça, c'est une des seules fausses que j'ai été d'accord avec complètement dans ça. Il parle du capitalisme, puis il dit Les gens qui pensent que le libre marché, ça fonctionne, euh, ils n'ont rien compris, en fait. Puis ceux qui pensent que l'évolution scientifique que ça a provoqué vient du fait qu'il y a du libre marché, c'est de la bullshit aussi. La réalité, c'est juste que les élites dirigeantes se sont ouvertes à la mondialisation, ils ont découvert des nouvelles technologies, puis ils se sont dit parfait, c'est le moment de l'utiliser pour asseoir notre domination d'une manière ou d'une autre, que ce soit militaire ou au niveau bureaucratique, ou au niveau entrepreneurial, peu importe. C'est vraiment juste ça. Puis je suis obligé de dire qu'effectivement, c'est pas la science, la science qui a créé le capitalisme, c'est le capitaliste qui crée la science qui est devenu un outil aux mains des personnes qui pouvaient s'en servir y avait les moyens de se l'offrir, si on peut le dire ainsi. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ben Ça, la question, il n'y a personne qui peut donner une réponse définitive à ça. Parce que le point de vue qu'on va avoir sur le capitalisme dépend tellement de ta propre expérience de vie, première des choses. Mais ça dépend aussi des impacts que ça a, dans quel pays tu es. Parce qu'on va se le dire, nous, ici au Québec et au Canada, on vit dans le capitalisme. Forcément, il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec ce mode de vie-là parce que ça leur bénéficie à eux fait que euh, tout est une question d'être du bon ou du mauvais côté puis de l'importance que accordes aux impacts négatifs versus positifs de tout ça mais il y en a beaucoup qui disent que le capitaliste ce serait le monde idéal si tout le monde avait accès à ses bons côtés non on n'est pas encore rendu là on n'est pas encore rendu là euh, sinon euh, il parle en fait euh, l'auteur est végétarien puis je le suis moi aussi euh, en fait même pas je pense qu'il est même vegan. donc euh, mais il dramatise beaucoup sur quelque chose en fait c'est que lui, il est vraiment en compte, mettons, tout ce qui est maltraitance animale, puis il est pour les droits des animaux et tout. Je le suis là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que quand il donne sa thèse et son opinion sur le sujet, il omet de mentionner tous les droits que les animaux ont acquis à travers les années. Puis je rappelle qu'en 2015, les droits des animaux, c'était quand même un sujet qui était déjà très clair, déjà établi. Donc, de juste dire, ok, mais là, ça se passe de même, puis de même, puis de même, il faudrait considérer peut-être la réalité, comment ça marche, etc. Au sens que. Ce n'est pas parce que dans un certain pays ça fonctionne comme ça que dans les autres ça fonctionne ainsi. n'est pas parce que des pays qui maltraitent leurs animaux que c'est forcément le cas ailleurs. Tu sais, puis en plus aussi con que ça puisse paraître, il y a des endroits dans le monde où des animaux sont sacrés et sont très bien traités malgré le fait qu'on les tue. Tu sais, il y a des choses comme ça. Fait qu'il fait beaucoup de généralisations abusives par rapport à ça. Donc les droits des animaux existent, puis il faut être capable de les prendre en considération, pas juste tu sais regarder l'exemple qui fait notre affaire. C'est par exemple si quelqu'un me dit bah ben, moi je suis végane parce que je trouve que les abeilles sont maltraitées, puis, quand tu lui demandes, ok, sur quoi tu te bases pour dire ça, tu réponds, ben regarde aux États-Unis, comment est-ce qu'ils font de l'apiculture. Oui, effectivement, aux États-Unis, leur apiculture est vraiment dégueulasse puis problématique. Mais en Europe, c'est pas du tout comme ça que ça marche, puis c'est pas de même que ça marche au Canada non plus. Donc, il faut avoir une réflexion plus globale et pas juste prendre l'exemple qui fait notre affaire. Ce qu'on appelle en anglais du cherry picking ou un biais de confirmation, si on veut. Fait que, conclusion, j'ai détesté ce livre, c'est pour moi un divertissement et même pas l'ombre d'une réflexion sur l'humanité. Il n'y a rien qui est mentionné qui ne soit pas déjà très connu et encore tout est vulgarisé sous prétexte d'être une brève histoire, que ça en devient de la généralisation et le festival du sophisme et de l'ignorance. Je me suis forcé pour le finir jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien louper, mais je constate que même le message de fin n'apporte absolument rien au récit. Parce que oui, c'est un récit et non un essai, comme le titre peut le laisser sous-entendre, et ce livre ne doit son succès qu'au fait que Barack Obama Bill Gates et Mark Zuckerberg l'ont encensé publiquement et dit ouvertement l'avoir aimé. Mais pour moi, c'est la preuve qu'ils n'ont aucun goût littéraire, prennent des choses, et n'ont pas du tout un esprit critique ni scientifique. Genre, aucun d'entre eux. autres, ils ont ouvert ça et ils ont fait eh, J'adore le lire, je ressens des émotions positives, fait que ça doit être génial. Ça, c'est comme quand j'ai lu le livre de Ernest Klein, Ready Player One. J'ai ressenti plein d'émotions positives en le lisant, j'ai adoré ça. Mais euh, demain matin, j'essaie de prouver que c'est possible de faire un MMO en réalité virtuelle. Comme l'Oasis, je crois que ça marcherait pas en tout. Donc, tu sais, ça a l'air bien présenté, facile, etc. Mais non, ça n'a pas de valeur scientifique. Donc, ce livre suit le même schéma que les, conna... que les connaissances que les complotistes sont capables d'aller chercher. C'est bourré de conneries, mais suffisamment bien écrit pour que même le pire des abrutis puisse se sentir intelligent en le lisant et puisse se faire croire qu'il a appris plein de choses que les autres ne savent pas. Cependant, comme pour les connaissances que les complotistes adoptent, il suffit que d'un peu de rigueur pour voir la supercherie. Ma comparaison que je faisais très simple, c'est que ce que je me disais, c'est que vraiment ce livre-là, c'est du savoir facile à comprendre à premier abord. Puis quand tu le prends, tu sais que c'est de la grosse littérature scientifique normalement, que c'est du gros jardin difficile à s'approprier dans sa réalité. Mais le fait qu'il soit hyper vulgarisé plus facile à comprendre, ben, ça fait en sorte que tu te dis "Hey, j'ai compris quelque chose de super compliqué. J'ai allé plein de domaines, etc." Puis c'est le genre d'affaire que un gars qui est, ou une fille qui est pas super intelligent ou super intelligente peux Prendre ce livre là, le lire, puis dire ah ben super, avec ça j'ai plein de connaissances que je peux flasher dans le party de famille pour faire croire que je suis brillant, mais je le suis pas en fait, t'sais, pour vrai là, cool pour mon petit cerveau, salutations bande de gens doués soyez, salut Claudine, j'espère que tu vas bien, puis bonjour à ma maman Jou aussi, ah, t'as raison, Alben Michel, c'est l'éditeur de Bernard Werber, je n'ai pas lu de Bernard Werber, soit dit en passant, hein. donc de euh, ça, fait que bref, puis tu sais, je veux dire, en même temps, on peut-tu blâmer quelqu'un, je veux dire, c'est de, vous, de prendre ça et de ressentir une émotion positive par rapport à ça. Puis tu sais, je veux dire, on n'a pas le temps d'envie de tout apprendre, ok? On n'a pas le temps de faire preuve de grosse rigueur, de faire des recherches, de démarches scientifiques. On n'a pas le temps dans notre vie pour faire ça. Il n'y a rien de normal à ce que quand il y a quelque chose comme ça qui est facile à comprendre puis qui satisfait notre curiosité, mais on se dit « c'est parfait ». Je veux dire, il, est, il y en a... Moi, je ne vois pas nécessairement de problème avec le principe en lui-même. Mais il faut faire face à la réalité. C'est que ce livre-là, le problème qu'il a, c'est qu'il se présente comme une réflexion historique et scientifique rigoureuse, mais brève, mais rigoureuse quand même. Il n'y a rien d'autre. Ce livre-là, c'est du fluff. C'est juste du fluff. C'est juste de la grosse ouate entourée de pff, un petit quelque chose, genre un petit peu de barbe à papa sur le side. C'est juste pas bon. Je suis désolé, ce n'est pas rigoureux et c'est vraiment horrible pour quelqu'un qui accorde une importance à la démarche scientifique comme moi de lire ce genre de choses-là. Le fait qu'il me manque de rigueur, moi, ça me pose problème. Puis pour vrai, ce livre-là, aussi plate que ça puisse paraître, j'ai un sac de livres que je vais donner, et bien je vais le foutre dedans et sortir ça de ma bibliothèque au plus vite. Et je m'excuse à la personne qui m'a donné ce livre-là, pour vrai. Euh, je veux dire, si t'écoutes, t'écoutes. Merci de me l'avoir fait découvrir. Maintenant, je sais qu'est-ce que je déteste profondément dans, dans un livre qui se veut scientifique, mais qui ne l'est absolument pas. Puis tu sais... Le contexte d'écriture est quand même important. J'ai expliqué un petit peu tantôt, mais le fait que Barack Obama, que Mark Zuckerberg et que. Et voyons, euh, et que euh, voyons, Bill Gates l'aient encensé, ben, ça lui a juste donné un espèce d'argument d'autorité puis un effet de halo qu'il n'aurait jamais mérité autrement. Il fallait que ce soit ces trois personnes-là qui disent Ok, ce livre-là est génial, puis pour que des gens se disent Hey, c'est super cool, fait que baff, best-seller, merci, bonsoir. T'sais, donc euh, petit, petit contexte social, l'auteur donc je l'ai dit il vient de la communauté juive, et il est né d'une famille juive séfarade, ok en Israël, puis il décrit son homosexualité comme étant le facteur qui lui permet de remettre en question les idées établies. Je rappelle dans les communautés juives en Israël, homosexualité c'est pas tant ça, donc euh, c'est difficile à vivre. Puis il est devenu végane aussi donc tiens, on voit qu'il est assez controversé comme monsieur. C'est un spécialiste de l'histoire médiévale et euh, ben, à aucun moment il parle d'histoire médiévale, soit dit en passant dans ce livre-là. Mm -hmm. Histoire depuis je ne l'ai pas lu par exemple. Ça, euh, je l'ai pas lu. Donc, malgré sa spécialité en histoire médiévale, on lui a reproché de ne pas suffisamment citer ses sources, d'être à bord en notes de bas de page et de ne pas rendre aux philosophes les idées dont il se réclame. Parce que oui, il cite des idées de philosophes là-dedans, mais jamais qu'il va dire ça vient d'où. Déjà là, c'est un problème pour un historien de faire du plagiat, soit dit en passant. Si je veux dire, au pire, tu as une petite mention, ok, ben, Platon, euh, Aristote, peu importe, peu importe. Mais il y a un cruel manque de rigueur. Puis, ok, je peux comprendre l'argument qu'on préfère rendre le livre accessible. Mais si tu veux rendre le livre accessible, ne le vante pas comme étant un livre historique et scientifique, parce que ce n'est pas le cas. C'est aussi simple que ça. Donc, cette triple recommandation-là, en fait, ne fait que rendre le livre trop populaire pour ce qu'il méritait, selon moi. Sinon, ben, quand on regarde ses sources d'inspiration, il ben, y a Jared Diamond, avec auteur de L'inégalité parmi les sociétés, qui est sa principale source d'inspiration. Euh, mais c'est un livre biologique. Jared Diamond a écrit un livre sur les inégalités parmi la société, mais c'est pas une étude sociologique, c'est une étude biologique. Démarche intéressante à voir la rigueur qu'il peut avoir à l'intérieur. Donc, il euh, essaie de répondre à la question pourquoi les Européens ont colonisé puis pas l'inverse par la biologie. Euh, démarche cool, j'en conviens tant qu'il s'est fait de manière rigoureuse. Parce que je suis certain qu'il y a une réponse à ce genre d'études-là. Mais que bref, il y répond en faisant une brève histoire de l'humanité puis en citant certains phénomènes géologiques et naturels. Sinon, ben l'auteur, de son côté, sa théorie, c'est que la raison pour laquelle l'homo sapiens est devenu l'espèce dominante, c'est parce que c'est le seul animal capable de coopérer efficacement avec ses semblables. Et aussi de prendre des choses qui sont issues de son imagination comme la religion, les droits de l'homme, le concept de nation, l'argent, etc. Il soutient donc que... Tous les systèmes qui existent dans une société, ce sont des fictions collectives. Ça, c'est sa thèse de départ. Ça se défend. Ça se défend. Parce que dans les faits, là, les droits humains, là, mettons, hey, je crois en l'égalité et à la liberté. Ok, mais c'est le fait que tu crois à ça, justement, que tu crois à ça en tant que valeur, qui fait en sorte que tu vas appliquer dans ton quotidien les gestes nécessaires pour exercer cette valeur de liberté-là, pour exercer cette valeur de respect de la liberté des autres et de la tienne aussi, bien entendu. Mais si tu n'y crois pas, ben, qu'est-ce qui t'empêche de nuire à quelqu'un, puis de l'empêcher d'avoir accès à sa dignité, puis à son égalité, ou à sa liberté Il y a toutes sortes de questions de même qu'on peut se poser, puis de se dire, ah, c'est vrai que c'est des fictions collectives. La justice, pourquoi est-ce qu'on a une, une mascarade si on peut garder à peu près ces termes de juge, de juré, d'avocat, de procureur de la couronne qui juge quelqu'un alors qu'on pourrait simplement décider que, ah, t'as tué -tu quelqu'un, ben, la personne qui a subi un tort en perdant un de ses proches pourrait juste se venger, puis merci bonsoir. Dans les faits, on a le pouvoir de faire plein de choses qu'on se refuse à faire parce qu'on croit en des lois, des livres, des théories, des, des droits de l'homme, des, des valeurs, des philosophies, etc. Mais ce sont tous des choses qui viennent de nous, en fait. C'est nous qui les avons imaginées, c'est nous qui y avons pensé et on a accepté cette fiction collective-là pour une raison très simple, c'est que ça nous a permis de survivre. C'est son constat de départ. Puis... On place où la religion là-dedans. <laughs> Et voilà. Fiction collective aussi. Sauf que cette fiction collective-là, eh elle est arrivée après, euh, bien entendu, plein d'affaires. La religion s'est construite à peu près en même temps que les concepts de société en elle-même. C'est juste que, avant que les gens s'interrogent au niveau scientifique, on expliquait les choses par rapport à la religion. Maintenant, on les explique avec la science. Tout simplement. C'est la seule différence. Mais c'est le même principe. Je veux dire, la théorie, euh, tu sais, la création de l'univers avant que quelqu'un pense au, à avoir le Big Bang ou à ces théories-là, ben Dieu avait créé l'univers en 7 jours, puis il s'est reposé le 7e. Sauf que moi, je vous garantis qu'il s'est reposé le 7e jour, ça a été inséré dans une Bible très probablement après qu'on ait décidé qu'il y ait une journée où tu te reposes. La Terre est plate, oui, oui, aussi, en effet, la Terre est plate, évidemment. Heureusement qu'il ne me dit pas que la Terre est plate là-dedans. Au moins, il embarque pas dans tes théories complètement farfelues, mais il manque de rigueur sur toutes celles qu'il essaie de défendre et qui auraient pu avoir du sens. Tu sais, bien entendu. Mais si tu veux une théorie qui prouve que la Terre est plate, dis-toi qu'il existe deux types d'eau dans la vie l'eau gazeuse puis l'eau plate. La Terre n'est pas une planète gazeuse et est composée à 70% d'eau, donc la Terre est plate. Merci. C'était la théorie du jour. Abonnez-vous. Merci. Donc, euh, bref je vais je vais pas. non mais ah, je, je savais que ça ferait je savais que ça ferait rire quelqu'un donc euh, <rire> voilà donc je passe sur le je vais je vais aller faire un petit tour dans mon résumé parce que j'ai donné je donne plus de comment tu arrives à mélanger la religion et le scientifique ah, voilà simple de même <laughs> voilà c'est beau vous, vous pouvez garder ça en tête c'est euh, c'est cadeau c'est cadeau vous, vous m'en remercierez en passant, j'ai pas de fierté, j'ai pas inventé ça. Ça vient de, de quelqu'un qui avait fait un mime sur Internet sur le sujet. Puis euh... Fait que bref. Euh, donc, le livre commence presque à la manière d'un récit biblique. Okay? Ce qui est assez ironique, soit dit en passant, quand on constate qu'il aborde la science comme sujet. L'auteur va définir très clairement ce que sont les sciences en un très, très gros résumé, mais quand même de manière claire. En disant qu'avec même les sciences et l'histoire, il y avait déjà des humains. C'est ça. T'sais, avant même... Que... Voyons. Ok, non, excuse, j'avais écrit « avec » dans mes notes, mais c'est « avant », en fait. Hein, je vais me le changer parce que ça, ça plus à l'heure de même. Il disait qu'avant, les sciences et l'histoire, ben, il y avait déjà les êtres humains qui, eux, sont arrivés avec les sciences et l'histoire les... éventuellement, mais qu'on était juste des animaux insignifiants. Puis il dit, en fait, que le concept scientifique de l'espèce versus... versus le genre, par exemple, homo, ça égale humain, mais sapiens n'est qu'une espèce d'humain, au même titre que l'était l'homme de Néandertal. Mais l'homo sapiens est le seul à avoir survécu. Pour donner ce que nous, on a aujourd'hui. Et sapiens, veut dire homme sage. Tout simplement. Donc, euh, il explique qu'en gros, un homme de Néandertal, c'est un humain aussi. Mais c'est juste que qu'au même titre qu'un chien berger allemand, un chien labrador, etc. Peu importe. Ben, ils appartiennent tous au groupe chien. Slash, dans notre cas, humain homo. C'est juste que nous, ben, au lieu d'avoir plusieurs races d'êtres humains, ben, on n'en a rien qu'une qui a survécu. Donc, euh, voilà. C'était à peu près ça le principe. Et, dans le fond... Sa théorie, c'est la raison pour laquelle le Homo sapiens a réussi à perdurer, c'est parce qu'il est capable de coopérer. Alors que euh, on coopère comment Avec des mythes communs, des valeurs communes, etc. Le plus, le plus qu'une euh, Probablement oui. Probablement oui. Donc, euh, outre cela, l'auteur explique dans ce chapitre que ce qui a amené les sapiens à coopérer alors que la plupart ne se connaissaient pas et ne forgent pas de liens relationnels, c'est la croyance en des mythes communs, donc ou des valeurs communes, mythes qui sortent de l'imagination et qui n'ont de valeur réelle outre celles qu'on leur accorde. Normalement, les groupes qui se connaissent intimement peuvent perdurer, mais dans les sociétés trop grandes, ce serait impossible qu'on perdure tous sans les mythes, puisque tout le monde ne se connaît pas. assez. C'est vrai. Tu je veux dire, mettons à Québec, on est 500 000 habitants. Ben non, je ne connais pas tout le monde à Québec. Ok, on s'entend là-dessus, là. là? Je ne peux pas connaître tout le monde. Je connais peut-être, j'ai peut-être même pas connu genre 200 personnes dans ma vie. Pas plus, là. Fait que, hum. Sauce matin. Fait que, bah, ben, c'est pas vrai, j'ai plus que ça en ami Facebook, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, mettons moins de 1000, on va dire moins de 1000. Moins de 1000 personnes que j'ai connues dans ma vie. Total tout, ok? C'est ça. Mais, l'affaire, c'est que vu qu'on ne peut pas faire ça, ben, lui, ce qu'il dit, c'est, dans ce cas-là, ça prend quelque chose pour tous rattacher ces gens-là. Et ça, quelque chose-là, ce sont les mythes communs, comme la religion. Ou les systèmes sociaux qu'on s'est inventés nous autres même. Ça c'est le point essaye de prouver tout le long du roman et il va le prouver en passant par quatre parties donc et ces quatre parties là eh bien d'abord il va parler de ce qu'on appelle la révolution cognitive donc la révolution cognitive qui date d'avant l'agriculture soit dit en passant donc le moment où le cerveau s'est développé et qu'on a commencé à imaginer des concepts. Ben on a fini par la suite à force de développer ça à créer par exemple la religion, la société, les droits et c'est devenu tellement puissant, c'est devenu tellement une réalité objective à nos yeux qu'il y a des choses naturelles comme la protection de l'environnement qui se sont ajoutées à cette fiction-là parce qu'on a créé des ministères de l'environnement. C'est à peu près ça. C'est à peu près le même que je le résumerai. C'est un exemple, bien entendu, dans ce cas-ci. C'est comme quand je dis que je suis haïtienne, qu'on me demande si je connais insérer le nom d'un haïtien lambda ici. Oui, oui, je connais toute la population. Ah, tout à fait. hein. Tout à fait. Ça. Mais, mais dans ça, au pire rendu là maman joue là tu pourrais les surprendre puis dire ouais tu parles de lequel euh, ils se ressemblent toutes de toute façon rendu là tu fais ça puis tu le mets tellement mal à l'aise parce que c'est normalement les gens qui font ces jokes là par rapport aux personnes racisées que tu viens différemment attraper genre carrément tu sais, t'inverses le stéréotype un peu là puis euh, ils comprennent plus rien là, ils sont tout perdus là c'est ça puis dans la fin de cette partie là sur la révolution cognitive l'auteur va soutenir attention que les changements climatiques ont le dos large, mais que c'est Sapiens le véritable coupable de la disparition de plusieurs espèces de la faune. Let's go, I'm a Brother, félicitations. Donc je recommence, juste pour t'entendre ce que je viens de dire. Dans la fin de la partie sur la révolution cognitive, l'auteur soutient que les changements climatiques ont le dos large, mais que c'est l'homo sapiens le véritable coupable de la disparition de plusieurs espèces de la faune. J'accepte pour les dodos, notamment les animaux géants d'autrefois. Lui, il parle de tout ça. En effet, les gros mammifères ont des gestations plus lentes et du temps d'attente entre les grossesses qui ne peuvent pas survivre à la chasse des sapiens. De plus, il ajoute que ce serait de drôles de coïncidences qu'à chaque fois que sa pièce arrive dans un écosystème, que plein d'animaux meurent de froid ou de chaleur. Dans le fond, il dit Les réchauffements climatiques ne sont pas responsables de la disparition de la faune et de la flore, c'est la chasse. C'est son point. Je pense que c'est discutable. Parce que, je suis désolé, mais ça nous a déjà été démontré que c'est les changements de température, alors qu'il n'y avait même pas d'Homo sapiens, soit dit en passant, on a déjà eu la preuve que ce sont les changements de température qui ont provoqué les trois âges de l'ère mésozoïque, de l'époque des dinosaures. Alors, euh, je suis désolé, mais oui, les changements climatiques, ça a un impact sur la survie des espèces. Je suis désolé. C'est comme ça, c'est un fait, je veux dire... Euh... En quoi les dinosaures auraient été différents de tous les autres animaux d'après Je veux dire, on a des animaux qui descendent carrément des dinosaures. Genre, ok, j'allais dire les poussins. Mais les poussins, il a personne qui y croit quand que je dis poussins parce que c'est trop mignon par rapport à un T-Rex. Mais toutes les espèces d'oiseaux descendent des dinosaures aujourd'hui. Tu sais, les poulets, oui, bah, oui, les poulets, en effet. Mais... On est dinosaures, peut-être. Scientifiquement parlant, je pense que ce serait justifiable. Après ça, bonne chance avec ton arbre généalogique, par exemple. Ça, je dis rien. Là. Mais trop de retracer euh, papa, euh, papa T-Rex puis grand-maman Triceratops, euh, t'sais, voilà. Donc, euh, désolé, mais direct en partant, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Mais par contre, est-ce que c'est vrai que la chasse a un impact sur l'extinction de certaines espèces animales? Euh, oui! Ben oui, le dodo, par exemple. Le dodo s'est éteint que dès que les homo sapiens sont arrivés sur son territoire parce que le dodo était trop cave pour réaliser que l'humain est un prédateur dangereux. Ben, c'est bien, hein? Ok, je suis d'accord, je suis prêt à l'accepter. Mais, pour vrai, le mégalodon, on le sait que ça a déjà existé. Y a il y a-tu quelqu'un qui, qui peut m'expliquer pourquoi il a disparu? Je veux dire, clairement, c'était un prédateur dominant. Il n'y avait aucune raison de disparaître. Pourquoi? Sûrement pas à cause de l'homme. On ne vit même pas dans l'océan. Puis, ça a été... Puis, bien avant qu'on accède à l'océan, le mégalodon était éteint. Tu sais, à un moment donné, il faut réfléchir, là. Je suis un reptilien. hop ah, peut... qui sait, peut-être. Le réchauffement de l'eau, bah ben c'est ça. Fait que je vous... Je sais pas là, est-ce que tous les homo sapiens se sont dirigés ensemble sur le bord de l'océan Pacifique pour pisser dedans puis réchauffer l'eau Je ne crois pas. Non, tu sais, OK, je caricature un peu, mais vous comprenez le principe un peu que l'argument se tient pas debout déjà en partant. Donc euh, deuxième partie, c'est la révolution agricole. Déjà en partant, dans la révolution agricole, l'auteur dit que la révolution agricole en fait, c'est une fraude. Elle a existé, mais c'est pas vrai que ça nous a facilité la vie. C'est bien ça. Donc, l'auteur soutient comme thèse de départ que l'agriculture est basée sur le mensonge de la prospérité et de l'abondance. En effet, selon lui, l'humanité a affaibli son système immunitaire en remplaçant le lait maternel par de la bouillie et que même si, sur papier, travailler plus pour produire plus et éviter la famine était une bonne idée, personne n'avait calculé que davantage d'enfants naîtraient et qu'il faudrait donc en nourrir plus. En gros, si on n'avait pas inventé l'agriculture, on aurait eu moins d'enfants. Et ce faisant on n'aurait pas eu de problème pour nourrir toute notre surpopulation. Et on n'aurait pas de jour du dépassement. Il ne mentionne pas là-dedans, mais je viens d'y réfléchir. Il n'y aurait pas de jour du dépassement non plus, théoriquement. Ça, c'est sa thèse. Je me permets d'avoir quelques doutes sur le sujet. La réalité, c'est qu'il y a toujours des gens pour inventer des choses. Il y a toujours des gens pour inventer des choses. L'agriculture était inévitable. Et la raison à ça est très simple, c'est que plus la planète se réchauffait, plus le climat était propice à ce qu'on fasse pousser des choses. Et s'il y a des choses qui poussent, qu'il y a des plantes qui fusionnent pour créer des choses comestibles, parce qu'il y avait des cueilleurs, puis ils savaient déjà qu'il y a des plantes qui poussaient à des endroits, c'était évident qu'un jour, il y a des gens qui allaient s'installer à des endroits où ce que, mettons, les cerises, les petits fruits poussent, puis qu'ils allaient essayer de comprendre, genre par exemple, une graine, à quelque part, tombe, tu repasses à un endroit comme nomade, ah, regardez, on avait laissé ça ici, ça a poussé, puis tout le kit. Mais oui, en effet. Puis ce qui explique aussi la naissance des enfants, c'est les meilleures conditions de santé aussi. L'avant 40 ans, t'étais un vieillard croulant. Oui, en effet. Ou bien t'étais mort bien avant. Sauf que là, sérieusement, on peut se le dire, si on a des meilleures conditions de santé, c'est pas juste à cause qu'on a fait de l'agriculture. Oui, ça l'a aidé. C'est clair et net mais il n'y a pas juste ça t'sais, on a appris premièrement à pasteuriser le lait des vaches éventuellement plusieurs années plus tard dans l'agriculture on a appris à utiliser euh, certains produits euh, particuliers pour garder nos aliments frais etc il euh, y en a qui argumenteraient que les pesticides c'est mauvais pour la santé mais voilà mais c'est mieux que des c'est mieux que mettons nos bananes qui pognent des maladies dans les pays par exemple il y a déjà ça fait que et donc, là il, attends, il maintient, là, il maintient sa thèse, okay? Il dit dans le fond, l'agriculture, c'est pas vrai que ça a créé plus de prospérité parce qu'on a eu plus d'enfants et ce faisant, ben, on est, il, il fallait qu'on les nourrisse plus. Et là, il embarque sur le sujet de la guerre tout de suite après. Il soutient également que la guerre, les guerres n'ont pas été déclenchées par la famine mais par la richesse en disant par exemple que l'Empire romain a atteint son apogée quand il s'est enrichi et que la Yougoslavie, qui avait les moyens de nourrir tout le monde, s'est éteinte dans un bain de sang. L'auteur met en cause le fait qu'autrefois, les groupes étaient plus petits et n'étaient pas habitués de collaborer. Mais cela contredit sa thèse expliquant pourquoi Homo sapiens a réussi à survivre aussi longtemps. Fait que tu vois, il y a une contradiction. Il dit Homo sapiens a réussi à survivre parce qu'ils sont capables de collaborer ensemble et de s'entendre sur des mythes communs, même s'ils ne se connaissent pas tous personnellement et intimement. Ça, c'était sa théorie de base. Mais, de l'autre côté, ce qu'il dit, c'est vraiment... Ah, ben autrefois, les groupes étaient plus petits et n'étaient pas habitués de collaborer, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de guerre. Ok, mais la collaboration, c'est bon ou c'est pas bon? La collaboration, ça vient que la guerre? Je veux dire... Je... Non, au contraire, un groupe plus petit, où ce que les gens collaborent moins, inévitablement, ça devrait mener à de la guerre. Je veux dire, un groupe plus petit, deux groupes s'opposent, mettons, pour avoir le même mammouth à une certaine époque, bien, of course que... of course que peut-être qu'il y en a un qui va l'emporter sur l'autre. S'ils décident qu'ils s'entendent pas et qu'ils veulent pas laisser le mammouth à l'autre. Oui, je veux dire, mettons exemple, là, un des deux groupes. Il y a deux groupes qui se croisent, puis il y en a un qui est vraiment affamé, puis comme non, non, pas question, nous autres, on le garde au complet pour nous autres parce que euh, on a du monde qui meurt, on a toute faim, etc. Ben, ça se peut qu'effectivement, ça dégénère en conflit. Fait qu'il y a plus de chances qu'il y ait un conflit si deux groupes veulent le même objectif pour eux autres-mêmes ou qui ont des intérêts divergents à défendre. Mais dans ce cas-ci, on parle que, ah, ben vu que Sapiens se trouve des intérêts communs à défendre, ben ils collaborent ensemble. Fait que je comprends pas pourquoi est-ce que si la richesse est censée fournir à tous ce qu'ils ont besoin pour ne pas avoir à entrer en guerre avec d'autres groupes, je comprends pas pourquoi on blâme la richesse pour, pour les guerres. Alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Parce que, parce que la réalité, c'est que le blâme n'est absolument pas directement sur la richesse en lui-même. Le blâme, en fait, c'est pour défendre des... comme les croisades, exactement. Les croisades, ça n'a jamais été une question de richesse, c'était une question de mythe commun, de valeur commune. Eux autres pensent différemment de nous. Puis à chaque fois, ça a été ça. La Yougoslavie, c'était l'union de cinq pays qui avaient leur propre histoire. Of course que ça allait péter. Ça n'a rien à voir avec la richesse, puis ça n'a rien à voir non plus avec la famine. Ça a à voir avec des valeurs différentes. Puis je veux pas être plate aussi, là, mais l'Empire romain, là, ben, tu t'attendais à quoi Tu t'attendais à quoi qu'il rentre en guerre Ok, l'empire était tellement grand que le défendre de partout c'était virtuellement presque impossible. Évidemment, un empire trop grand, tu finis par perdre le contrôle dessus. C'est ça qui était inévitable. Là. Je veux dire, il y a des gens qui avaient des intérêts divergents, les peuples barbares comme on dit, qui ont assiégé les frontières puis qui s'y sont installés. Ben ils l'ont fait parce qu'ils fuyaient puis ils étaient plus nomades à une certaine époque. Ils fuyaient les guerres, ils fuyaient la famine etc. Ils cherchaient un meilleur endroit pour vivre. Bref, tu sais. Je veux dire, ça, ça a déjà été prouvé, fait que je comprends même pas d'où lui vient son histoire, parce qu'il y a rien de valide dans ses propos. Ensuite, il va revenir avec sa justification concernant les mythes et les croyances communes tout de suite après, fait qu'il se décontredit, voilà. Mais la réalité, c'est que les deux exemples qu'il donne avaient des croyances communes. Enfin, bref, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il va en parler un peu plus loin, il va parler aussi un petit peu d'ordre social en disant que l'ordre social est imaginaire, prêt à s'effondrer à tout moment, ça c'est pas faux. L'ordre naturel existe même si tu cesses d'y croire, il continue d'exister, mais l'ordre social, si tu cesses d'y croire, peut tomber. Au même titre qu'un gouvernement d'un pays peut tomber dès que le peuple est Tu sais Notre ordre social au Québec, là. Mais ben, si tous les citoyens décidaient de prendre d'assaut le Parlement pour dire à Legault que c'est fini son, son affaire, ben, qui serait là pour l'en empêcher? C'est la croyance en notre ordre social qui fait en sorte que les institutions démocratiques continuent de fonctionner. Mais sinon, tu sais, dans les faits, ils n'en ont pas plus que ça du pouvoir, là. Donc, mais à l'inverse, l'ordre naturel continue tout le temps d'exister. Même si tu crois pas à la gravité, elle continue d'exister. Si tu crois que la Terre est plate, ben désolé, elle est ronde, puis c'est l'ordre naturel des choses. Voilà. Ensuite, donc, je continue avec la révolution agricole vers la page 160. L'auteur dérive et se met à parler de l'invention de l'écriture qui, selon lui, a changé chez l'humain la pensée holiste. Donc, que l'homme est indivisible et est un tout et non la somme de plusieurs parties physiques, spirituelles, etc. Euh... Dans le fond, la pensée holiste, en gros, euh, c'est vraiment de dire, ben, un homme c'est un tout en fait. Par la suite, il y a eu des philosophes qui ont commencé à diviser l'homme en genre, ben, il y a une partie spirituelle, une partie physique, une partie émotive, etc. Et euh, ben même en fait dans, mettons ce que je faisais avant, mon contenu avant, maman joue, tout, tu connaissais ça, je parlais souvent de santé physique, de santé mentale, santé affective, etc. J'en parlais souvent souvent de ça, de les séparer. Ben, c'est de même que selon l'auteur. On a commencé à diviser ça, mais sauf que ce qu'il dit, c'est qu'on a commencé à penser la santé de l'être humain en compartiment comme de la bureaucratie. Je m'excuse, mais la bureaucratie existait bien, tu sais, je veux dire, elle a commencé, à, elle existait, ok? Elle existait au niveau historique. L'affaire, c'est qu'à aucun moment, tu ne peux établir de causalité entre le fait de séparer l'être humain en plusieurs parties, avec la bureaucratie. Parce que la bureaucratie n'a pas les mêmes fondements de pensée. La bureaucratie, c'est juste des moyens efficaces de gestion des choses. Tout simplement. OK Qu'est-ce que ça a à voir avec la santé puis la division de l'être humain Je veux dire, OK, on se divise, mettons les tâches de quelque chose à accomplir, mais ça n'a jamais été question de, de division de l'être humain. Je veux dire, les philosophes n'ont jamais. Mais jamais eu cette approche-là, ou presque. Il y en a pas être qui l'ont eu, puis je les connais pas. Mais si on prend les philosophes plus récents, par exemple, comme Jean-Paul Sartre, dans l'existentialisme, ou même, mettons, je sais pas moi, Emmanuel Kant, ou de quoi de même, dans son propre type de philosophie, à aucun moment il divise l'être humain en plusieurs factions, il pense l'être humain comme un tout. Fait que je suis comme, en quoi est-ce que l'écriture vient changer l'être humain C'est pas parce qu'on a des mots pour créer des concepts que ces concepts-là préexistent déjà dans l'écriture. Parce que pour que ces concepts-là existent, comme la santé, mettons, d'un être humain divisé en trois, ou les aspects humains divisés en trois, ben, il faut que quelqu'un, d'abord, les ait imaginés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit arrivé avec ces théories-là, puis qu'ensuite, les mots soient inventés pour aller avec ça. Je veux dire, il y a plein de mots qui ont existé autrefois, qui n'existent plus aujourd'hui, puis des mots qu'on invente aujourd'hui, puis qui n'existent plus. Tu sais, je vais donner un exemple, juste, mettons, avec les transgenres. Euh, ben, on avait monsieur, madame en français, puis récemment, il y a eu un scandale parce qu'il y a une prof qui a demandé à se faire appeler mix. Le mot existait, mais jamais dans ce sens-là. On lui a attribué un sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les phénomènes précèdent l'écriture. Pas l'inverse. Donc cette démarche-là, déjà, elle fonctionne pas. Bon, bref, après ça, il prétend que la hiérarchie sociale est issue de l'imagination, un peu tout ça. Oui, ok. Comme d'habitude. Ah, et. Il va affirmer quelque chose. Ça, je suis d'accord avec ça. 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 Ça, ça. Ça, je suis entièrement d'accord. Il dit que la biologie permet... Et la culture interdit et que le concept de contre-nature, donc quelque chose qui est contre-nature, ça n'a aucun sens d'utiliser ces termes-là parce que quelque chose de contre-nature ne pourrait pas, par définition, exister. Si on peut le faire, c'est que c'est dans la nature. Tu sais, souvent, par exemple, on définissait dans la religion chrétienne euh, les actes de sodomie et homosexuels comme étant des actes contre-nature. La réalité, c'est que si c'est possible de les faire, ben, ils font partie de la nature. Donc, c'est la culture qui vient interdire et placer ces mots-là sur certains phénomènes. Donc par exemple, on pense pas par exemple à interdire aux femmes de courir plus vite que la lumière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux dire, on en parle en Grèce antique, hein? Juste pour être sûr. Les actes contre nature, ça? Hum. Juste, je vais juste attendre que tu aies répondu avant. Avant d'aller plus loin. Fait que bref, dès que quelqu'un parle de contre-nature, souvent c'est juste une justification culturelle. Puis ça devient un moteur de discrimination, bien entendu, de justifier oh, quelque si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct. Ah ok, oui, oui, ah, oui, oui, c'était connu. Mais on s'en servait. Mais justement, les Grecs anciens n'étaient pas chrétiens. Ça faisait partie de leur nature de se pratiquer sur leur sexualité sur des personnes de même sexe avant d'aller vers le sexe opposé. Je veux dire, Achille puis Patrocle étaient amants en plus de, de, de cousins, je me souviens bien, cousins. C'est ça. Puis sinon, ben, il parle beaucoup de discrimination, en justifiant avec ses théories que tout ça donne naissance à la discrimination. Puis moi, je me suis permis d'écrire dans mes notes, euh, les travaux d'Henri Tachevel auraient mérité d'être cités, parce que Henri Tachvel, ben c'est un des plus grands chercheurs sur la discrimination au monde, et clairement, la distinction eux versus nous est entièrement suffisante. Peu importe s'ils ont des caractéristiques qui sont différentes ou pas, c'est eux autres, c'est nous. Juste ça, t'as même pas besoin, et tu peux prendre du monde pareil, qui ont la même apparence physique, eux nous. Ok, on fait 100 clones de moi, on les sépare en deux groupes, on dit vous autres vous êtes le groupe un tel, vous autres vous êtes le groupe un tel, paf, merci bonsoir, eux autres nous, voilà. On fait pas partie de tel groupe. Tant que tu t'identifies à ton propre groupe, tu es un facteur discriminatoire direct en partant. Potentiel. Tu deviens pas quelqu'un qui commet des actes de discrimination, mais tu deviens un facteur de discrimination juste en t'identifiant à un seul groupe. C'est juste suffisant. Et ça, ça a déjà été démontré bien avant l'écriture de ce livre-là. Et c'était hyper facile d'accès. Très, très facile. Et si tu es tout seul, tu l'es aussi. Techniquement, oui, parce que c'est moi versus les autres. Tu sais, je veux dire, ça marche tout autant. Ça marche tout autant. Mais si tu es tout seul, ta vie est peut-être un petit peu plate aujourd'hui, bien entendu, on s'en doute bien. Donc, ensuite, la troisième partie du livre, grosso modo, le premier constat que l'auteur fait dans sa troisième partie qui s'appelle Unification de l'humanité. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que autant la culture médiévale n'a jamais réussi à marier le christianisme et la chevalerie, autant la culture d'aujourd'hui n'arrive pas à marier la liberté et l'égalité, car il y a constamment des limites et des contradictions qui empêchent sur l'autre. C'est d'ailleurs la priorité accordée à un ou l'autre qui divise les politiques entre la gauche et la droite. Ça, c'est mon ajout à moi, si je me suis noté ça pour moi. Là-dessus, je lui donne raison. C'est vrai qu'on a bien de la misère à marier des choses contradictoires. Puis je citerai un petit exemple qui vient de Game of Thrones que je trouve vraiment pertinent. Quand Kathleen Stark va voir Jamie Lannister dans sa cellule, dans la saison 2, et qu'elle lui dit Vous aviez juré de protéger les innocents, vous aviez juré ci, juré ça. Puis là, finalement, Jamie Lannister, il la regarde en rien et dit Pfff. Les chevaliers puis leur serment, on vous fait jurer d'honorer votre père, on vous fait jurer de protéger le roi, on vous jure de protéger les innocents, on vous fait jurer si jurer ça. Mais vous faites quoi si votre père méprise le roi hein? Vous faites quoi si votre roi s'amuse à s'en prendre aux innocents C'est lequel le vœu puis le serment qui a le plus de valeur Hein C'est lequel Hein Donc tu sais, c'est un peu ça. Fait Il y a toujours des contradictions. Puis, dans la gauche puis la droite politique, ben c'est souvent là qu'il y a les débats. Les gens qui vont être favorables plus à la gauche, eux autres vont préférer qu'on accorde plus d'égalité aux gens, alors que ceux de la droite vont préférer accorder plus de liberté. Puis, on essaye de trouver des parties de centre qui essayent de faire un petit peu des deux. C'est juste que le centre ne satisfait pas tout le monde, au sens que ben, quand tu prends une décision qui va être plus de gauche, les gens de l'autre barre ne seront pas contents, puis ainsi de suite. C'est très rare que des décisions font vraiment l'unanimité, même parmi les décisions qui font le plus l'unanimité. Donc, bref, ça c'est bon. Et il dit aussi une autre affaire, il dit « Inventer l'argent, ça a été quelque chose qui a donné la fièvre de l'or pour le commerce de tout le monde. » Et, euh, bref, euh, il parle que ça a rapproché les cultures différentes. Ça les a rapprochés au niveau commercial. Mais on peut débattre de ce que c'est la notion de rapprochement. Tu sais, je veux dire, euh, est-ce que faire du commerce avec les Chinois fait en sorte que les Européens étaient plus respectueux des Chinois je me permets d'en douter. Bon point. Rapprochement aux dépendances. Voilà. Mais après ça, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on est plus ouvert d'esprit? Est-ce que les choses ont changé? Je serais prêt à accepter qu'on ait une amélioration. Mais, il y a encore du monde qui considère, par exemple, que les Chinois, c'est des mangeurs de chauve souris que les personnes à la peau noire, c'est des pauvres ou des voleurs. Il y en a qui considèrent qu'en Afrique, c'est encore pauvre. Ils n'ont même pas la TV. Puis, euh, ben, ils prennent des bains de sable parce qu'il n'y a pas assez d'eau là-bas. Des affaires de même. Il y a encore beaucoup de stéréotypes, beaucoup de conneries qui se disent, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que les gens qui en ont conscience maintenant ont plus conscience de ces problématiques-là et veulent changer le monde Il y a plus de gens qui veulent apporter des changements qu'il y en avait autrefois. Parce que la société évolue, donc forcément, on y va vers ça. J'espère que tu vas bien Disfagué, que ce soit dit en passant. Donc, est-ce que la monnaie a rapproché les cultures Pas du tout. Elle les a même, je dirais, éloignées parce que ça leur inséré un esprit de compétition mercantilisme. Je veux dire, c'est la base en histoire médiévale, le mercantilisme. On considère que toutes les ressources du monde existent et ont déjà été trouvées et que si ton pays a la plus grosse part de ces ressources-là, il va s'enrichir. Et je m'excuse, mais c'est pas du rapprochement. C'est du capitalisme. C'est tout. Ça s'arrête là. Ben, c'est du mercantilisme, mais bref. On comprend. Ensuite, affirmation très douteuse par rapport au massacre de la Saint-Barthélemy, un événement historique très tragique euh, qui s'est passé, euh, passé en France à l'époque où on pourchassait les Huguenots, les protestants si on veut. Euh, donc au sujet du massacre des chrétiens par les Romains, dans lequel l'auteur affirme que les Romains ont tué moins de chrétiens que les chrétiens n'ont tué de protestants dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Possiblement vrai. Possiblement vrai. Je suis d'accord. Peut-être qu'il y a eu plus de Huguenots qui ont été tués par des catholiques que... Il y a eu de chrétiens massacrés par les Romains à l'époque. Et ce serait plausible parce que la population était moins grande à l'époque. Mais je demande des sources. Ah, ça fait partie des choses sur lesquelles les sources ne sont pas citées. Et un spécialiste de l'histoire médiévale devrait, soit dit en passant, être capable de fournir des sources. C'est censé être sa spécialité, puis là on est en plein dans son époque. Je disais tantôt qu'il n'avait jamais parlé d'histoire médiévale, mais il a fait des mentions un petit peu comme ça. Finalement, ben, il résume beaucoup trop rapidement les différences entre les protestants et les catholiques, puis ils ne sont même pas exacts. Okay? Dans le fond, il, sur la base de son résumé, à peu près, il va donner des arguments en occultant trop de réalité qui pourraient lui donner tort. Par exemple, c'est faux prétendre que les protestants ne considèrent pas les actions quotidiennes comme importantes pour le salut. Puis il comprend pas plus le bouddhisme, soit dit en passant. Je veux dire, il parle de petits et de grands véhicules sans le nommer puis en disant n'importe quoi à leur sujet. Grosso modo, si je peux vous résumer, le petit véhicule versus le grand véhicule dans le bouddhisme, le petit véhicule, ça implique que quand tu deviens un bouddhiste, que tu essaies de devenir un bouddha, c'est que tu fais la démarche pour toi-même le plus possible. Tandis que le grand véhicule, c'est d'aider les gens à devenir eux-mêmes des bouddhas puis que ça va te donner... Le statut éventuellement. Fait que le petit véhicule, c'est vraiment des gens qui veulent le faire de manière isolée, puis qui veulent se concentrer sur eux-mêmes, puis qui réussissent, puis qui vont souvent faire des choses plus. Euh, des rites peut-être un peu plus intensifs, tandis que dans le grand véhicule, c'est une autre façon de penser les choses. On peut aider des gens qui sont dans le petit véhicule à réussir. Quand tu es dans le grand véhicule, on estime que c'est suffisant pour t'accorder éventuellement le statut de Bouddha. C'est deux approches qui sont très respectées dans la religion, soit dit en passant. Demande à Boschut, spécialiste du médiéval, royaume. Ouais, Ma version de l'histoire de l'humanité après une soirée de brosse, <laughs> c'est pas loin d'être ça. C'est pas loin d'être ça. Donc, euh, voilà. Puis, il dit, il dit ça donc, mais sinon, c'est pas vrai que les protestants ne considèrent pas les actions quotidiennes importantes pour le salut. C'est même ce qu'ils considèrent le plus important. Je veux dire, être un protestant, c'est aimer Dieu du plus profond de ta foi, aimer Jésus aussi, aimer les principes du christianisme et les appliquer dans ton quotidien. Les et appliquer dans ton quotidien. Mais tu dis quoi Les catholiques, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que le protestantisme a une base fondamentale qui est l'objection de conscience. C'est que si tu es un chrétien protestant et que ta religion implique et te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ta conscience, de ce que ta conscience te dit, ben tu te dois de continuer de pratiquer le christianisme, mais sans faire la chose qui va à l'encontre de ta conscience. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a énormément d'églises protestantes, tandis que chez les catholiques, ben il y a un seul système qui est universel, parce que la séparation n'est pas un point vraiment commun dans leur histoire. Mais c'est la différence fondamentale. Dans les faits, c'est presque la même religion, mais avec moins de hiérarchie, tout simplement. On enlève toute la partie hiérarchie, puis on se dit la protestantisme se pratique à l'échelle individuelle, tout simplement. Tandis que dans le catholique, c'est beaucoup plus communautaire en général. Mais encore là, on pourrait argumenter que chez les protestants, entre une, membres d'une même église, ça va être tout aussi très communautaire. C'est juste que les catholiques se targuent d'avoir toutes les divergences d'opinion possibles sous la même grande famille. Mais au final, ça revient presque au même. Je veux dire, la différence entre les deux, elle est tellement minime, puis c'était facile à expliquer. Je viens de le faire. Bref. Et finalement, la dernière partie, c'est la partie qu'il appelle la révolution scientifique. Constat numéro 1, la révolution scientifique n'a pas été la révolution du savoir, mais la révolution de l'ignorance. Ok, tu viens de donner un gros coup de marteau, là. On s'entend. On vient de donner un très, très gros coup de marteau. Quand on parle de science, on parle de nouveaux savoirs, on parle de découvertes, des choses comme ça. On est illuminé, on met en lumière des nouveaux. phénomènes. Non, c'est la révolution de l'ignorance. Ah ouais, d'accord. Merveilleux. Donc... L'auteur explique qu'autrefois le savoir important était déjà considéré comme révélé par les Écritures, et que cela ne servait à rien de découvrir de nouvelles choses, car si c'était des choses importantes, Dieu les aurait révélées, et que si on ignore quelque chose d'important, on sollicitait un sage pour qu'il nous le dise. Je l'ai tantôt, hein. Si tu te demandes qu'est-ce qu'une araignée fait pour survivre, un scientifique va s'intéresser à ça de manière objective. Mais si la Bible ne répond pas à cette question-là, c'est un savoir qui n'est pas important. Donc pas un savoir essentiel. Parce que le vrai savoir important, c'est la religion qui le détient déjà. Et, comme je disais tantôt, c'est une vision qui peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait pas de figure scientifique importante à, époque, à cette époque-là, avant la révolution scientifique, justement. Donc, tu sais, après ça, t'sais, on a eu les Albert Einstein qui était qui juif, etc. Donc, tu sais, ça se fait. Mais on regarde d'ailleurs, la plupart des scientifiques qu'on a connus, c'était des chrétiens. Presque tous, puis il y en a eu bien entendu d'autres, il y a eu des scientifiques musulmans bien entendu et tout, mais chez les juifs il y en a eu très peu, puis ça s'explique aussi par le fait qu'il y a très peu de membres dans la religion aussi, donc forcément le bassin scientifique est très 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 bas. Bref. Fait que, il dit maintenant, le réflexe scientifique c'est de partir du concept qu'on ignore tout et que tout est à découvrir. Donc il dit que les choses ont changé. C'est pas vrai qu'on ignore tout. C'est pas vrai que les scientifiques pensent qu'ils ignorent tout. Ils pensent juste qu'ils ont des choses à découvrir, mais c'est pas vrai qu'ils pensent qu'on ignore tout, ou on ne sait rien. On repart pas de zéro à chaque fois qu'on fait une découverte là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand il y a des choses qui sont établies, elles sont établies puis ça finit là. Je veux dire la gravité, je veux dire on part pas à chaque fois de zéro pour expliquer la gravité pour oh, d'un coup qu'elle a changé. Non non, si je prends mon souver ici puis que je le laisse tomber sur mon bureau, ben la gravité a fait sa job là. Je veux dire, commence pas à chaque fois. Ensuite il va prétendre que la révolution de l'ignorance, attention. L'auteur prétend aussi que l'on a remplacé la croyance religieuse en une croyance en la méthode scientifique, qui est quasi religieuse. C'est insultant pour la méthode scientifique, soit dit en passant. Plaçant ici une espèce de faux dilemme. Les choix que l'humanité avait au même titre qu'il dit un peu avant, cette affirmation que l'humanité avait le choix entre une vérité absolue scientifique, comme les nazis ont fait, ou vivre avec une vérité absolue non scientifique, comme l'ont fait les humanistes libéraux. J'explique parce que là, ça a l'air d'être du jargon, mais moi, je me comprends dans mes notes, ok? En gros... Il a placé l'humanité devant un faux dilemme avec son raisonnement euh, en disant qu'on a remplacé la religion par une méthode scientifique qui a l'air d'une croyance religieuse. Donc, tu as le choix entre un ou l'autre. Et, ce faisant, bien, on a dit aux gens, au final, que quand il allait faire de la science maintenant, bien, il n'y aurait pas de choix entre une vérité absolue et scientifique ou vivre avec une vérité absolue mais qui n'est pas scientifique. Donc, en gros, c'est soit tu considères que ta vérité, elle est scientifique, soit tu considères qu'elle ne l'est pas. Et, il dit... Grosso modo, que les personnes qui ont été les porteurs de ces deux modèles-là, ça a été, pour la vérité absolue scientifique, les nazis, par exemple, qui voulaient vivre absolument avec que de la science et qui étaient prêts à tout pour le prouver, ou bien les humanistes libéraux qui ont des vérités absolues, mais qui ne sont pas prouvées par la science. Parce que les humanistes libéraux, ce sont des idéologues qui arrivent avec des grands principes, des grandes idées pour le fonctionnement des sociétés. Puis là, il en revient à sa théorie des fictions collectives. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que toutes nos fictions collectives, donc tous nos systèmes de droits, notre façon de voir les choses, les droits des êtres humains, pour lui, c'est pas de la science. Parce que ce n'est pas dans l'ordre naturel, parce que ça vient tout de l'esprit, donc on ne peut pas prouver par la science quoi que ce soit avec ça. C'est juste une fiction humaniste. Et je dirais à ça que c'est faux. Okay? Parce que si, d'abord, si on accepte son constat, ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes les sciences humaines sont de la merde, c'est que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a rien à prouver. Mais le problème, c'est que le concept même de science, c'est de dégager des résultats qui donnent des constances, des récurrences ou des variables, des variations. Ok C'est ça qu'on cherche en science d'expliquer des causes à des phénomènes. Mais je m'excuse. Mais si c'était pas scientifiquement valide, il y aurait pas de phénomènes qui se reproduisent régulièrement pour des mêmes comportements. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'étudier la science des récessions en économique Parce qu'il y a des choses qui les provoquent. Donc il y a des causes. Donc ça s'explique par la science. Ok Puis ça s'explique pas Par la science, juste en disant c'est une fiction collective auquel on a tout adhéré. Mais non, pas en tout. Il y a des liens à faire avec l'instinct humain. Moi, j'avais toujours pensé que l'évolution de la religion, c'est les gouvernements, parce qu'en gros, c'est de pouvoir contrôler une masse avec des règlements et des façons de faire. Mais ça, c'est une autre vision de la chose, en fait. Parce que ça, c'est pas la religion ou les gouvernements en, en eux-mêmes, c'est ce que tu fais avec ça. Donc, est-ce que la religion a servi d'outil de contrôle de masse Totalement. Euh, est-ce que les gouvernements se sont servis d'outils pour contrôler la masse Totalement aussi donc c'est pas tant le principe de religion puis de la fiction puis de l'histoire qu'on se raconte pour nos croyances qui est autant problématique tu sais je veux dire mettons j'ouvre une bible mettons j'ouvre une bible puis que je regarde les valeurs du Nouveau Testament je me dis hey c'est des valeurs qui me rejoignent que je vais les appliquer au quotidien ben c'est un choix que j'ai fait de manière individuelle mais sauf que quelqu'un qui va dire voici les valeurs à appliquer au quotidien puis vous devez le faire sinon il va arriver telle telle affaire telle abomination etc là on est dans le contrôle de masse mais il défend quand même des idées qui en elles-mêmes peuvent mériter d'être défendues je veux dire je crois T'sais, je veux dire, mettons, Jésus qui parlait de charité, de générosité, etc. T'sais, en général, il n'y a pas grand monde qui va être contre ça. Donc moi, je le vois plus que ça de même. Puis c'est d'ailleurs, justement, j'avais une conversation avec quelqu'un l'autre fois qui disait « Je comprends pas pourquoi la religion existe encore. » J'ai dit « Parce que la religion n'a jamais été le problème, c'est ce que les gens en ont fait. » Ça a toujours été ça. Les gens se sont servis de, de cet outil-là. Puis tu peux te servir de n'importe quoi comme outil. Parce que tout le monde est manipulable à un certain point c'est plate mais c'est la réalité puis les politiciens c'est ceux qui se sont fait les plus grands spécialistes de ça en effet c'est plus la spiritualité puis c'est d'ailleurs dans la définition de la religion il oublie d'omettre la spiritualité parce qu'il en parle il donne une définition de la religion un peu plus loin puis qui n'est même pas la bonne soit dit en passant il dit la religion en fait c'est juste une idéologie c'est ce qu'il dit parce que les partis politiques les croyances toutes c'est toutes des idéologies donc c'est toutes des religions Désolé, mais la religion, par définition, c'est récit, rite et règle. Première des choses. Puis deuxième des choses, il faut qu'il y ait une dimension spirituelle qui soit reliée à ça. Croyance et symbole également. Qu'on associe à une spiritualité qui est au-dessus de nous. Au-dessus de notre niveau de compréhension, mais qui nous guide comme une espèce de père qui prend soin de nous. Il a pris quoi avant d'écrire ça? J'aime mieux pas faire de commentaires parce qu'au risque de sonner raciste. De faire une joke qui est vraiment, euh, on va dire, qui date entre les années 39 et 45. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, vous, vous, c'est laissé à votre interprétation. Voilà, il y a quelqu'un qui a compris. Euh, sinon, il soutient qu'il y a une place prépondérante qui était faite aux mathématiques en vertu de la science exacte. Par exemple, il mélange les choses. Tu sais, je veux dire, oui, faire des études scientifiques sociales implique de ressortir des statistiques. Si tu fais de la recherche, c'est juste normal de savoir compiler puis calculer des données. Mais c'est faux d'affirmer que maintenant, les sciences ne, révèlent, ne relèvent plus de l'humanisme. Un psychologue a pas besoin de faire des mathématiques pour aider un client. Lui, ce qu'il dit dans le fond, c'est maintenant, la seule science qui est vraiment exacte, c'est les maths. Puis après ça, ben tu t'en sors te des mathématiques pour faire des sciences. Mais sauf que ça met de côté toutes les sciences qui ont pas besoin de mathématiques. Tu sais, je veux dire, genre, la psychologie. La psychologie aussi, il y a des variantes puis des, récur puis des récurrences qui peuvent s'expliquer puis qui peuvent aller chercher des comportements humains. C'est pour ça qu'il y a des écoles de pensée puis que ces écoles de pensée-là peuvent fonctionner d'une personne à l'autre. Il y a une raison à ça. Ça veut dire que ça s'explique. C'est ça. Puis sinon, ben, il dit que. Ça, c'est un affaire avec laquelle je suis d'accord. Il dit la science en elle-même, elle n'est elle pas intéressante. Elle va être intéressante seulement si ça peut servir de domination militaire ou de quoi. Puis malheureusement ben c'est vrai aussi parce que l'anthropologie ça a été inventé pour dominer les gens militairement en associant et en analysant leur culture pour voir comment on pourrait faire pour euh, comment on pourrait faire pour les dominer ça je suis obligé de donner ce point là c'est un fait révélé puis effectivement une idée très étriquée de ce qu'est la science en effet donc en bref t'sais, si c'est utile ben pour une domination la science est utile si elle n'est pas utile pff, on n'investit pas là-dedans. Et il fait une critique que je suis prêt à l'accepter. Il dit que les projets qui impliquent un investissement financier, si c'est pour aider la domination des élites dirigeantes, souvent tu vas trouver de quoi. Parce que ça sert à leurs intérêts, tu vas trouver du financement. Si c'est juste pour la science elle-même, les gens sont un petit peu plus frileux en général. T'sais, tu peux trouver quand même de l'argent, mais voilà, c'est ça. Ah, puis, euh, ouais, c'est vrai, page 471, il euh, y a une photo. Euh, tu vous savez il y a un épisode de South Park là où ce il y a monsieur Garrison qui décide de bah ben, en fait monsieur Gar madame Garrison qui décide de redevenir monsieur Garrison mais que pour ça il y a besoin qu'on lui fasse pousser un pénis puis que le pénis pousse sur un rat de laboratoire. Ben page 471, j'ai trouvé d'où venait cette référence là. <laughs> j'ai trouvé d'où venait cette référence là. Ah, OK, ça vient pas du livre directement, c'est une photo qui existe depuis très longtemps là. Mais en gros, on a fait pousser une oreille humaine sur un rat de laboratoire. Donc, souris... Souris sur le dos de laquelle des chercheurs ont fait pousser une oreille formée de cellules de cartilage de bétail. En allant là un mystérieux écho de la statue de l'homme lion de la grotte de Stadelle, voici 30 000 ans. Les humains se laissaient déjà aller à l'imaginer les combinaisons de diverses espèces. Ouais, je vais essayer de vous la montrer ici correctement. Là. Elle est là, ici, la photo. Donc, euh, maintenant... Et c'est mentionné aucune manipulation sur Photoshop. Donc, euh, en vrai... Maintenant je sais d'où ce gag-là est venu. Ça vient de cette photo-là. Voilà. Ce livre-là m'aura appris quelque chose. Finalement, ben, l'auteur conclut son livre en disant que l'homo sapiens a amélioré ses conditions de vie, mais pas le bonheur de l'humanité. Ce qui est pas une fausseté. Le problème, c'est que tout ce qu'il dit avant ne vient même pas justifier ce constat-là. C'est comme s'il y avait une conclusion qui n'avait pas rapport avec toute sa recherche avant. Il dit que Sapiens est devenu un dieu irresponsable qui s'encage la terre et les écosystèmes. Fact. Je suis désolé. Oui. Que les animaux sont pas mieux qu'avant que oui, on a fait du progrès technologique, mais que maintenant, on doit se demander en tant qu'humanité ce qu'on veut devenir. J'ai aucun problème avec sa conclusion. Sincèrement, aucun problème. Elle est excellente, elle est très bonne, mais c'est une conclusion philosophique. Ce n'est pas une conclusion scientifique, ce n'est pas une conclusion historique. Il n'y a aucune démarche rigoureuse qui a été faite. Il n'y a pas eu de source qui a été citée. Les informations collectées l'ont été faites de manière très douteuse. Bref, c'est un livre qui se veut un espèce de fourre-tout de ce que la personne pense, de sa vision, et ce n'est pas pour rien que ce livre a été complètement démoli par la science. Donc, Sapiens, c'est une brève histoire de l'humanité. C'est, à ce jour, le pire livre que j'ai lu. Et je tiens à vous rappeler que ce livre-là, quand j'ai commencé à lire, celui que je venais de finir avant, c'était la peste, euh, peste d'Albert Camus. Puis ceux qui se souviennent de ma review se souviennent que je l'ai trouvé vraiment dur à lire. Il y avait 250 pages, et ça m'a paru une éternité passée à travers. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Le pire livre, oh, oui, sans contredit, le pire livre que j'ai lu de ma vie. Sincèrement. Puis, pour vrai, je le recommande à personne. Genre, personne. Fuyez ça comme la peste. Mes profs auraient donné des zéros. Hein, J'espère bien qu'ils auraient donné zéro. Et les scientifiques ont donné zéro. Fait que ça, pour vrai, euh, si vous le voyez, achetez-le pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Achetez-le pas. Laissez-le où ce qu'il est. N'y touchez pas. N'investissez pas l'argent là-dedans. Moi, je me le suis fait donner. Je suis content de ne pas avoir payé pour. Merci, Sharkville, de me l'avoir donné, de me l'avoir fait découvrir. Maintenant, j'ai des standards de qualité et scientifique que je vais rechercher activement et donc ce livre là s'en va directement dans ma liste de livres usagés parce que s'il y a bien quelque chose à lequel il va me servir c'est de me faire du crédit de cash pour acheter des meilleurs livres donc euh, voilà c'est à peu près ça donc ça a bien c'est une brève histoire de l'humanité j'en ai fait une review détaillée sur Goodreads si y en a qui s'intéresse pouvez aller la voir j'ai aussi mes notes de lecture mais faites attention parce que les notes de lecture un contiennent des spoils puis euh, si vous allez trop loin vous allez tomber sur les autres livres parce que c'est tout dans le même document euh, vous pouvez les consulter, hein, il y a le point d'installation notes Tu veux pas faire un top 10 des pires livres que t'as lu de ta vie? Euh, ben facile, en fait. Là, celui-là c'est numéro 1. Celui-là, c'est le numéro 1. Ensuite, t'as la pièce d'Albert Camus. T'as les deux comptes interdits. Non, c'est pas vrai. La pièce d'Albert Camus avait quand même une certaine pertinence. Je vais pas le mettre en neuvième. Après ça, tu avais les deux comptes interdits que j'ai lu, genre Ansel et Gretel puis la petite sirène. Mettons. Mettons Sapiens, Ansel et Gretel, des comptes interdits. La petite sirène, des comptes interdits. La peste d'Albert Camus. À date, c'est les quatre tirs que j'ai lus puis que j'ai vraiment, mais ben, vraiment, mais vraiment pas aimé. Genre, pas, mais pas du tout. Ça a été... Puis pour le reste, ben, c'est plate, mais euh, je dirais peut-être le livre que Andrew m'a passé, malheureusement, le Chevalier Rouge, que j'ai trouvé que c'était hyper mal écrit. Euh, en numéro 5. Puis sinon, ben le reste, en fait, c'est des livres que je lisais quand j'étais au secondaire. Puis que, tu sais, c'était pas mauvais, mais c'était... Pas plus qu'il faut, mettons. Mais bon, rassurez-vous, il va y avoir des top 10 qui vont apparaître des pires livres que j'ai lus éventuellement. Tous ceux qui sont notés une étoile. Ah, c'est pas vrai, il y a les livres d'Éric Duhem aussi, que ça valait son petit en d'or. On peut les rajouter dans le top 10, parce que bon, Éric Duhem, voilà. Parce qu'Éric Duhem, voilà. C'est à peu près le même principe, mais encore moins rigoureux scientifiquement, si on peut le dire ainsi. Ah oui, évidemment. Non, mais je suis désolé, mais bon. J'avais mentionné les duels, oui, la crème de la crape. Hein, ouais, vraiment. J'en ai lu trois de ses livres. Hein. Le seul que j'ai pas lu de ses livres, c'est celui sur la SAQ. Parce que c'est très spécifique comme enjeu, jeu. Puis tu sais, je connais pas tant ça non plus. Fait que tu sais, pas vraiment d'intérêt. La peste, c'est un livre obligatoire au cégep. Pour vous autres. Puis pour vrai, euh, c'est un peu tard. Pour vrai, tant que pour vrai, je te dirais, Camus, t'es mieux de commencer avec l'étranger plutôt que la peste. Parce que la base de sa philosophie commence avec l'étranger. C'était le début de son cycle qui était prévu. Puis je te dirais que après, Le mythe de Sisyphe serait une très bonne lecture. Euh, Meilleure, apparemment, mais je l'ai pas lu. Mais les gens recommandent souvent de commencer par l'étranger. Puis j'ai une de mes amies qui a lu du Camus aussi, puis. Euh... T'es pas, euh, pas extraordinaire. Donc, bref, bref, bref. Euh, bon. Fait que, hey, je peux le faire disparaître ça, puis vous parlez enfin d'un livre que j'aime beaucoup. Alors, ah oh! Là, on parle, ok Alors, le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai dévoré pendant la semaine de relâche. Fire and Blood ou Feu et Sang, la partie 1. Ok Donc, ceux qui ont écouté Game of Thrones, ben sachez que ceci est un préquel et que c'est le livre qui a inspiré House of the Dragons. Par contre, on ne parlera pas de la série tout de suite, étant donné qu'en fait, la série House of the Dragon commence avec cette deuxième partie-là ici. Je vais y venir après. Mais en attendant, parlons de la partie 1. Ok Donc, petit, petit tour rapide du lore de Game of Thrones. Ok Dans le fond, dans Game of Thrones, euh, l'histoire qui nous est racontée à travers les œuvres de ben, A Song of Ice and Fire, c'est que Westeros est un royaume qui a 300 ans d'histoire avec les Targaryens. Donc, le, le royaume de Westeros est beaucoup plus vieux que ça. Aucun problème avec ça. Mais dans le fond, l'année du calendrier, c'est la conquête d'Egon. Donc on est en 300 quelques quand Game of Thrones commence après la conquête de Egon. Donc, bon, je vais y aller, je regarderai le replay car j'ai envie de voir ce que tu vas dire sur Salem. Ouais, après ces deux-là, en plus, c'est Salem. Donc. Euh, ben écoute, prends soin de toi, puis ça se retrouve sur YouTube si jamais. Donc euh, voilà, tu peux faire point d'exclamation YouTube pour le retrouver. Donc bref, Feu et Sang commence au moment de la conquête de Egon, grosso modo. Donc on raconte à partir du début, début du, de l'an 0 du calendrier, et le livre prend fin à l'an 100, à peu près, l'année 100 au total. Donc, il y a à peu près 100 ans d'histoire qui est narrée. Puis, comment ça fonctionne C'est que ça fonctionne un peu comme des chroniques historiques. Dans le fond, c'est un certain Mestre Gilden qui, a écrit, qui aurait écrit à l'intérieur du livre ça, qui est simplement un, un paquet de chroniques historiques en fait. Tiens, si on peut le dire ainsi, par exemple, il y a même une photo rajoutée, on peut la voir ici, et avec sa signature, genre Feu et sang, une histoire des rois. Une histoire des rois Targaryens de Westeros, partie 1. Dagon premier le conquérant à la mort de la reine Alysanne, la Bonne Reine par l'archimestre Gilden de la citadelle de Vivieille. Et là, ça commence. Au fil des 300 dernières années, les maîtres de la citadelle qui tiennent les chroniques de Westeros ont utilisé la conquête d'Egon comme pierre de touche. Naissance, mort et autres événements sont datés soit APC après la conquête ou soit AVC avant la conquête. Les véritables érudits savent qu'une telle datation est loin d'être précise. La conquête de cette couronne par Aegon ne s'est pas effectuée en un jour. Plus de deux ans ont passé entre le débarquement d'Aegon et son couronnement à Villevieille. Et même alors, la conquête demeurait inachevée puisque Dorne restait insoumise. Des tentatives sporadiques pour intégrer les dorniers au royaume ont continué tout au long du règne du roi Aegon et une large partie du règne de ses fils rendant impossible de fixer par une date précise le terme des guerres de conquête. Donc tu vois déjà l'approche. On dirait vraiment. Un chroniqueur historique qui est en train de dire, ah ben, regardez ça, euh, regardez ça ici, voici ce qu'on en retient, voici les documents. Puis tout au long, il y a des gens qui vont être cités par exemple, ok ben, un tel maître nous dit telle histoire, ah ben, un tel dit ça. Fait que si on prend les deux sources ensemble, on se rend compte qu'il y a des événements qui concordent, d'autres qui concordent pas. Lui, il nous raconte ça, mais ça a pas d'allure à cause de telle affaire. Fait qu'on dirait vraiment quelqu'un qui est en train de travailler sur une reconstitution historique, puis on lit. Puis de même, peut-être que vous vous dites, ah ok, ça sort un peu l'immersion, etc. C'est tellement bien écrit que ça en devient immersif, au contraire. Genre, le fait que ce soit écrit comme ça rend le livre encore plus immersif et c'est complètement incompréhensible. Parce qu'on se dit, ah, oh, on n'arrivera pas à s'attacher au personnage, etc. Zéro plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire, on s'attache à eux autres comme ça se peut pas. On les trouve géniaux, toute la gang. Puis en vrai, quelle réussite. Quelle prouesse d'écriture. Puis, c'est fou que George R. R. Martin soit capable d'écrire aussi bien que ça. Genre, c'est complètement fou. Donc, je vous donne mon ressenti, justement. J'adore l'idée de faire de feu et sang des chroniques historiques. C'est très bien écrit, très clair et très captivant. J'adore aussi l'idée qu'on ne sache pas tout, que le maître qui relate les faits voit des contradictions, admette des failles, etc. Cela rend la chose plus réaliste, aussi réaliste soit une guerre de dragons, bien entendu. Page 195, la note de bas de page à la page 195, fait plaisir à voir, même si elle est fictive, il renforce la narration style chronique historique. Depuis le début, je dévore ce bijou d'écriture et je ne saurais que trop conseiller cette lecture à tous les fans de Game of Thrones, que ce soit ceux qui ont seulement vu la série ou ceux qui ont lu les livres. Ensuite, je rajoute plus tard, mention honorable au long règne de Jay Harris et à la, la réalité historique qu'on ajoute en parlant des enfants que lui et Alison ont perdus. Parce que, tu sais, à un moment donné, ils font des enfants. Puis là, tu te dis, ah, oh, ils font des enfants, puis là, oh, paf, il y en a un qui meurt, hein, ok, mais c'est normal, les gens perdaient leurs enfants à cette époque-là, tu sais, ah, ok, puis des fois, ils, ils meurent, mais dans des, des conneries monumentales, mais tu te dis, ok, c'est de la connerie, mais c'est normal. Je veux dire, c'est normal que quelqu'un qui a 17 ans meure d'une maladie ou d'une blessure à la jambe ou de quoi de même. C'est normal qu'un personnage royal se prenne une flèche en arrière de la tête et qu'il meure d'un coup parce que c'est la guerre puis ça fait partie de la vie, tu tu sais, je veux dire, on n'est pas devant un récit où les héros triomphent de tout puis qu'il y a de la tension qui est construite parce qu'on a peur, il va-tu mourir, il va-tu pas mourir? Non, non. On construit même pas de tension. C'est juste tellement réaliste. Ah écoute, on a découvert que lui était mort parce qu'il s'est fait planter un carreau derrière la tête, pendant qu'il était avec quelqu'un. Genre random de même, gratuit comme ça. Imagine. Donc voilà. Fait que. Là, on aurait très bien pu les mettre de côté parce qu'ils servent à rien à l'avancement de l'histoire, ce qui est un fait. Je veux dire, un enfant qui meurt, qui est là, ça sert à rien dans l'avancement de l'histoire. Mais non, dans le petit d'une narration du style chronique historique, où celui qui nous les présente est un mess voulant rétablir correctement les faits, c'est une bonne chose de les avoir. Par exemple, il y a deux enfants qui s'appellent Daenerys et Gaimon, par exemple, qui sont des bons exemples. Ils vont être là, mais ils vont mourir à un moment donné. C'est tout. Ils sont là, mais ils n'existeront plus. Parce que voilà, ça fait partie de la vie. J'en suis à la fin de la première partie et c'est un énorme, énorme plaisir de faire la lecture. Cela me donne envie de mater la série House of the Dragons. Là, je rentre dans mes notes où je vais parler de la deuxième partie. Je vais quand même, tu sais, vous donner mon ressent. Non, je vais, je vais revenir à ça. Je vais revenir à ça. laisse faire. Je vais revenir à ça parce que la démarche est un peu différente. Fait que, non, on s'arrête ici. Donc, résumé. Donc, la première partie, c'est la conquête d'Egon, grosso modo. Donc, le livre commence en dressant un portrait historique très bref qui explique la datation par rapport à la conquête d'Egon, un peu ce que je viens de vous lire. Mais également à quoi ressemblait Westeros à cette époque, ok? Puis, ils nous disent, voici les sept grandes familles, tu sais. Les sept grandes familles, dans Game of Thrones, on avait les Baratheons. Ouais, c'est ça, on avait les Baratheons. On avait les Tyrell, on avait les, euh, les voyons, les Tully, les Stark, les Lannister, les Arryn, et euh, un petit peu, il m'en manque. Il m'en manque, il m'en manque un, il m'en manque un. Oui, les dorniers, euh, les dorniers les martels. Okay? Ça, c'était les sept grandes familles. Là, dans ce cas-ci, on est vraiment genre dans une place où Ah ben y a des familles qui existaient dans ce temps-là, puis qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, il dit Ah, ben, les terres de l'orage appartiennent à la famille Durandon. Ah Durandon. Famille qu'on connaît pas, d'accord. La famille jardinier. Ah familles qu'on connaît pas. Puis là, ça explique comment est-ce que des familles d'autrefois sont devenues des familles hyper nobles. Genre, par exemple, les Tyrell qui dirigent au jardin, Highgarden en anglais, dans Game of Thrones, Bien, on comprend comment ils en sont arrivés à remplacer la famille jardinier. La famille Durandon qui était là, on apprend comment ils ont remplacé telle affaire. Puis, petite mention honorable, dans le lore de Game of Thrones, il existe beaucoup de légendes par rapport à la ville de Harrenhal qu'elle serait hantée, puis les gens qui vont là ils meurent tout le temps. Mmh... On en parle beaucoup d'Aaron Hall là-dedans. On va dire ça de même, puis on va être servi à souhait pour ça. On va comprendre d'où ça vient cette légende-là. Du ça, je dis rien. Donc, euh, et finalement, bon, euh, on explique aussi beaucoup. Tu sais, par exemple, ok, ben une personne se marie avec telle personne pour telle telle raison, etc. Bon, bref. Puis là, on raconte dans cette première partie-là la guerre, si on peut le dire ainsi. Donc, on explique, ok, un tel a fait telle alliance avec telle personne, un tel a fait ça. Fait on t'explique comment ça s'est passé, c'est quoi les ressources qu'on a sur le sujet. Et finalement, ben, on se rend compte que la conquête finalement se termine quand tous les royaumes ont ployé le genou devant Egon le conquérant et ses trois dragons. Parce que mention particulière, Egon, le roi Targa... le... celui qui allait devenir le roi Targaryen, avait deux épouses qui montaient chacune un dragon, puis lui il y avait son dragon Balérion la Terreur. Donc la Terreur noire. Donc à la fin de la conquête, il y a juste les martels de Dorne qui ne sont pas soumis à Egon, qui sont encore un royaume indépendant. Donc ça arrive beaucoup plus tard, puis soit dit en passant, on ne mentionne jamais l'unification avec Dawn dans aucun des deux livres, parce que ça arrive bien après. Donc euh, bref. Et finalement, il y a une ville qui est importante dans ça, qui est la, une ville qui s'appelle Old Town en anglais, ville vieille en français. C'est. Euh, C'est la ville de la famille Hightower. E la famille Hightower e n'existe pas dans Game of Thrones. Presque pas. Mais elle est très importante dans House of the Dragons, la série. À cause que ben, c'est un membre de la famille Hightower qui est la main du roi. Puis il y a un personnage dans Game of Thrones qui est un membre de la famille Hightower, puis c'est le commandant de la garde royale, grosso modo. Celui qui, dans un flashback avec euh, Ned Stark, puis Bran, se bat contre Ned Stark euh, avec Arthur Dane qui se battait avec deux épées. Pour ceux qui se souviennent de la scène, ben, l'autre soldat qui était avec lui, ben, c'était un Hightower, c'était Gerald Hightower. Bref. Donc. On va résumer avec ça. Ça nous raconte la conquête. Et là, on nous parle du règne de Egon. Donc, de l'an 1 à l'an 37. Et là, ben, on explique que dans le fond, pendant toutes ces 37 années-là, il commence à unifier son royaume tranquillement, pas vite. Il construit son empire. Ici, puis ça, puis etc., etc. Et tout le kit. Il prend des décisions. Et il s'assure en fait que. Il s'assure en fait que tout fonctionne correctement. Grosso modo. C'est ça son objectif. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ben, les rois meurent, et là, ben, à la succession d'Egon, il y a un conflit qui se crée. Parce qu'Egon avait deux épouses, et avec chacune d'entre elles, il y a eu deux enfants. Il y a eu Ennis, qui va devenir le prochain roi, puis ensuite, il y a eu Megor. Megor, qui se faisait appeler le cruel, et qui a pris des décisions qui étaient euh, très, très cruelles, si on peut le dire ainsi. Puis on va raconter le règne des deux rois, un par un. Parce qu'Ennis, en fait, était réputé pour être un roi faible, puis il va prendre des mauvaises décisions qui vont lui causer des problèmes. Ensuite, il y a eu Megor qui est arrivé et qui a régné. Sauf que, par la suite, là, il y a après toute l'instabilité entre euh, le règne de Ennis et le règne de Megor le Cruel. En l'an 48 jusqu'en l'an 103, on a Jairis Ier. Jairis Ier reste très longtemps roi, pendant plus de 50 ans. Et tout ce qu'il va faire, en fait, ça va être des réformes légales. Puis là, on raconte tout ça. Il va dire OK, comment il a fait pour, après l'instabilité causée par la mort du conquérant. Remettre le royaume sur le droit chemin. Ok, ben J. Ayriss, il va faire ci, il va faire ça, puis il va faire ça, puis paf, 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 puis là, les alliances, etc. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette partie-là, qui est vraiment, vraiment importante, mais qui sont vraiment le fun. Il y a des petites guerres qui sont racontées, des petits conflits par-ci, par-là. Il explique comment ils les a Fait que vraiment, là, si vous êtes un amoureux du style chronique historique, que vous dites, ok, il y a des trames narratives qui peuvent être dangereuses, mais comment est-ce qu'ils font pour régler ça, puis quel jeu de coulisses, quel jeu politique ont fait, etc. C'est génial. Puis harris c'est pour moi le GOAT. Donc vraiment, c'est le GOAT, c'est le meilleur personnage de cette partie 1. Tout ce qu'il fait fonctionne. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un de bon. C'est un très bon roi. C'est quelqu'un qui veut le bien de son peuple. Puis qui trouve le moyen de le lui donner en s'assurant de la loyauté, en prenant les bonnes décisions au bon moment, en étant ferme au bon moment. C'est vraiment le portrait typique du roi parfait. Vraiment, c'est le roi parfait. c'est le nouveau Egon, si on peut le dire ainsi carrément. Donc, bref, et là on raconte l'histoire. Puis je vais, pas... je vais pas tout vous dire en fait, parce que là c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Puis moi-même, je l'ai pas tout mis là-dedans. Mais pour cette partie 1 là, on a droit à un vrai petit bijou d'écriture qui est absolument, absolument génial. Donc, euh, à peu près ça. Mais, petit cadeau pour vous autres, j'ai un ici. Donc, justement, j'ai des affaires ici. Donc, au niveau narration. Donc, le livre choisit une narration très particulière, puisque cela ressemble à des chroniques historiques écrites par le grand maître Gilden, mais qui n'était pas présent lors des événements. Il se comporte donc comme un historiographe médiéval et remarque les contradictions entre des sources primaires en essayant d'en dégager la vérité. Il contient également des illustrations qui accompagnent la lecture. La première partie inclut l'histoire d'Egon le Conquérant jusqu'au règne de J. Eris Ier, et la deuxième partie, quant à elle, est la partie qui a été adaptée pour faire la série House of the Dragons, et dans le livre, elle commence avec la mort de Jeris Ier et s'achève sur l'accession au trône d'Aegon III. Donc, euh, of the Dragons, on en a pour un petit bout de temps, je ne je dis rien. Donc, inspiration, bon, c'est un préquel à la Game of Thrones qui relate l'histoire de Westeros d'il y a 300 ans, époque où Aegon le Conquérant s'est installé à Westeros. L'auteur nous a toujours dit que ses sources d'inspiration pour son histoire, c'est la période historique qui s'appelle The Anarchy. C'est une période de deux décennies où mon frère et une soeur se disputaient le trône anglais, puis Henri I, roi anglais, avait eu des tas d'enfants illégitimes. Mais seulement deux de son mariage légitime, un garçon puis une fille, mais le garçon a fini par se noyer, alors j'ai 17 ans, d'ivresse, en laissant la fille comme unique héritière. Or, leur mère était déjà morte, le roi s'était remarié, n'avait pas encore d'héritier, il a donc décidé de nommer sa fille héritière, exactement comme dans House of the Dragons pour la deuxième partie. C'est carrément, en fait, Henri I, c'est Visiris Ier, tout aussi simple que ça, puis bah ben, c'est la fille en question. Et, ça crée même, et cela a créé les mêmes questions, savoir si une femme pouvait être héritière légitime du trône de fer parce que est-ce que ça répondait aux attentes de la société anglaise mmh, évidemment et est-ce qu'elle est capable de diriger des troupes sur un champ de bataille voilà puis sinon ben le livre pas très compliqué à la base le livre devait s'appeler World of Ice and Fire mais finalement en 2014 le matériel de ce livre là a été partiellement amputé puis intégré à Fire and Blood puis ça va devenir un nouvel œuvre puis il y a une suite qui est prévue qui s'appelle Blood and Fire qui va raconter d'autres histoires à partir de Aegon 3 mais ça évidemment on va l'attendre longtemps parce que George R, R. Martin ben on va dire que Winds of Winter, on l'attend encore. Hein? Donc, euh, hein? Donc, si quelqu'un m'entend dans l'au-delà, spiritualité, peu importe, s'il vous plaît, sortez-nous Game of Thrones 6. Merci. Avant que l'auteur meure, par pitié. Parce qu'on veut que ce soit lui qui l'écrive. Donc, bref. Ça, c'est pour la partie 1. Maintenant, la partie 2, il y a beaucoup plus de choses à dire dessus. Parce que c'est un épisode très, très, très particulier. Mais, genre, très, très. Très particulier. Donc, euh, je vais reprendre mon ressenti à partir de là. Donc, ça, c'était pour la partie 1. C'était aller vite. La partie 2 maintenant. Donc, la partie 2, euh, très simple, en fait. C'est très, très bon. C'est tout aussi bon. Je veux dire, waouh. Wow. Juste, waouh, en effet. Fait. En fait, je viens de penser à ça. Je ne vous ai même pas lu les résumés. Je vais vous lire le premier avant de continuer. Au septième jour, une nuit de corbeaux jaillit des tours de Père Dragon. Pour propager la parole de Lord Aegon aux sept couronnes de Westeros, il volait vers les sept rois, vers la citadelle de Villevieille, vers le seigneur tant petit que grand. tous apportaient le même message à compter de ce jour, il n'y aurait plus à Westeros qu'un roi unique. Ceux qui ploieraient le genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient leurs terres et titres. Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et anéantis. Ça, c'est la partie 1 puis Viserys de la maison Targaryen, premier du nom, roi des Andales, des rois Nord et des premiers hommes, seigneur des sept couronnes et protecteur du royaume, ferma les yeux et s'endormit. Il ne s'éveilla jamais, il avait 52 ans et avait régné sur la plus grande part de Westeros pendant 26 ans. Alors la tempête éclata et les dragons se mirent à danser. Alors il y a un épisode historique dans le monde de Game of Thrones qu'on appelle la danse des dragons et cette danse des dragons-là, eh bien c'est un événement qui raconte une guerre fratricide entre... Deux personnes qui se promettent d'être les héritiers du trône de fer, grosso modo. Donc, euh, petit résumé de l'histoire, ok Ça, c'est vraiment littéralement, je vous dis juste l'épisode 1 de House of the Dragon, je ne vous dis rien du reste parce que ce serait cruel de spoiler, il se passe tellement de choses là-dedans, mais je vais au moins vous donner mon ressenti par rapport au livre en lui-même, ok Dans cette partie... Si du récit, les sources se contredisent beaucoup et on exporte différentes facettes, et cela renforce la narration historique. On sent les interprétations et les réflexions de Maître Gilden, et cela n'est pas pour déplaire. Champignon, le fou, parce qu'il y avait un fou qui s'appelle Champignon, puis qui retraçait de l'histoire, puis qui disait qu'il était présent, mais il racontait des fabulations. Mais le fait qu'il soit là, puis qu'il raconte des conneries, c'est très drôle, parce que c'est un, c est, c est, ces conneries sont irréalistes, ok. Sauf que, vu que c'est un des seuls documents que le maître procède, il n'a même pas le choix de l'utiliser et de le comparer. Pis il dit Ok, champignons, champignon, il dit n'importe quoi sur ça. Puis de temps en temps, Ah, oh, étonnamment, c'est lui qui nous donne le meilleur récit de tout ce qu'on a. Euh, sinon, petite mention honorable à un personnage, Cregan Stark. Euh, Cregan Stark, euh, il apparaît un peu dans la partie 2, là. Euh, fucking badass. Je suis désolé, euh, c'est le meilleur personnage de cette partie-là. Non, c'est pas vrai, il y a peut-être Damon aussi pour ceux qui ont vu la série. La dedans il est encore plus hot. Donc, euh. euh c'est Clegane Stark qui est à la fois semblable au Stark de Game of Thrones, donc c'est très honorable, très loyal, etc. Mais il a l'air de quelqu'un de bourru aussi, comme un vrai Nordien viking un peu, genre dans les stéréotypes. Donc c'est un Nordien au sens qu'on l'imagine dans le lore. Il ressemble à la fois à notre Stark, mais aussi au Lord Karstark et humble. Pour ceux qui se rappellent de ces personnages-là dans les débuts de la série Game of Thrones, donc celui qui se fait couper la tête par Robb Stark, qui avait les longs cheveux blancs, Karstark, humble. Ben, C'était lui qui se faisait bouffer les mains par le. Par le loup. Bref. Donc, euh, sinon, euh, le personnage d'Egon 3 est sans doute le mieux construit. Il est cohérent et s'est développé de manière normale, considérant tout son vécu et tous ses traumatismes. Dès qu'il a pu avoir le pouvoir et qu'il a eu 16 ans, son caractère a émergé. J'ai adoré ce revirement final de situation. Le livre a été une véritable partie de plaisir et j'en aurais pris encore plus pour me rendre jusqu'à la conquête de Dorne ou la rébellion des blackfire Alors, clairement, mais clairement, oui, j'en aurais pris plus puis plus, ah, j'aimerais ça que ce soit déjà sorti. Mais... Non, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, malheureusement. Donc, bref, je poursuis. Je vais me résumer à l'épisode 1. Je donne pas plus que ça pour le résumer, parce que sinon, c'est du spoil. Dans le premier épisode de la euh, de la série House of the Dragons, Viserys Ier est roi de Westeros, OK? Et en tant que roi de Westeros, une chose qui va se produire, c'est que qu'il va s'être marié une fois, puis il va avoir une fille. Donc, avec une, fille de la, une femme de la famille Arryn. Et... Cette femme-là, quand elle va tomber enceinte pour la deuxième fois et que ça va être un garçon, eh bien, elle va mourir en accouchant et le bébé va aussi mourir. Et c'était un garçon. Ce faisant, Visiris perd sa femme et son héritier potentiel et il commence à se faire vieux un petit peu. Et il fait un choix. Il choisit de nommer Rhaenyra, sa fille aînée, comme étant héritière du trône de fer et ne va jamais révoquer cette décision-là jusqu'à la fin de sa vie. Okay? Le problème, c'est qu'entre-temps, visiris finit par choisir de se remarier. Et il va se remarier et avoir d'autres enfants. Et c'est là que ça va créer un problème. C'est là que ça va créer un problème, en fait, avec les familles, justement. C'est là que ça va créer, en fait, un problème de genre, « Ouais, mais c'est une femme, est-ce qu'elle peut succéder, etc. »« Est-ce que ça pourrait plutôt un homme ?» Puis là, la nouvelle femme du roi veut placer à la place ses enfants, etc. Donc, tu sais, c'est ça qui est vraiment complexe. J'en dis pas plus pour ça. Ça va se jouer une guerre de pouvoir au moment de la mort de Viziris. Puis là, tac, ça éclate. Tac, ça éclate, ça finit là, puis pouf. Je ne dis pas plus comment ça va se passer. Je laisse le reste le découvrir. Mais je vous le dis si vous lisez les deux parties de tout ça à un moment donné, vous allez dévorer la série House of the Dragons parce qu'elle est très bien adaptée. Et puis, aux petits oignons. L'adaptation est aux petits oignons. Ça fonctionne super bien. Les acteurs sont géniaux. Les personnages sont géniaux. sont bien trouvés. La mise en scène est absolument extraordinaire aussi. Pour vrai, c'est un, une œuvre absolument géniale. Donc. Pour l'instant, c'est pas rendu très loin, mais il se passe des événements de dingue, mais de dingue. Genre, pour vrai, Game of Thrones, on se souvient que c'était une série qui était dure avec ses personnages. Dans ça, on est au même niveau, puis même je dirais que c'est pire. Je dirais que c'est encore pire. Je n'en dis pas plus. Si ça vous intéresse de lire les notes sur le sujet, dans mon document, sachez qu'elles sont très détaillées. Mais je vous suggère de ne pas les lire et de juste vous contenter de la partie narration, contexte social, si vous voulez en savoir plus. Mais skipper toute la partie résumée. Moi, je l'ai écrite, par exemple, parce que j'avais besoin de l'écrire pour me mémoriser certaines affaires. Puis d'ailleurs, ça, c'est peut-être le petit reproche que je ferais aux deux livres, en fait, parce que je les compte là-dedans. Il euh, y a un arbre généalogique qui est inclus à la fin de la deuxième partie, mais pas de la première. Moi, il a fallu que je lise ça avec un arbre généalogique à côté, chacun. Ok, lui, c'est le fils d'un tel. Ok, lui, puis c'est lui, puis c'est lui qui suite. Parce que beaucoup d'incestes ça reste des Targaryens, on s'entend. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment genre, lisez ça avec les bonnes ressources avec vous autres. Ça vaut la peine de faire l'effort pour tout comprendre. Parce que si vous vous investissez dans cette lecture-là, vous allez l'adorer sans aucun contredit. Alors, clairement, ces deux belles pépites-là, ce sont mes deux plus grosses recommandations du moins. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, voilà, c'était pour ça. Maintenant, le prochain livre, c'est celui justement que Maman joue. Attendez que je parle. Salem de Stephen King, deuxième livre de l'auteur et, accessoirement, son livre préféré. Et oui, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais Salem, c'est le livre préféré de l'auteur. Ça a été son projet de vie, quelque chose qu'il a toujours voulu créer. Parce que depuis qu'il était jeune, il adorait, euh, il adorait Dracula et il voulait écrire sa propre version de l'histoire de Dracula. Non seulement il l'a fait, et il l'a fait en s'inspirant de certains tropes narratifs, mais en plus, il l'a fait en racontant sa propre histoire. Et ça, c'est une prouesse d'écriture absolument géniale. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture, justement, de Salem. Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi. Alors éteignez la télévision et parlons aux vampires dans la pénombre. Je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Stephen King. Et là, résumé de l'histoire Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires, 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est évicéré, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Donc. Euh, Vraiment, très très bon livre. Pour vrai, c'est son deuxième roman. Puis, tu sais, je vous souvenais, j'avais lu Carrie. Puis je vous avais dit que je l'avais pas vraiment aimé parce que je le trouvais mal écrit. Euh, le choix de la manière du style était bizarre. Stephen King a trouvé son style avec ça. Et le pire dans tout ça, c'est que son éditeur lui a dit Watch out, tu vas te faire qualifier d'écrivain fantastique. Puis il a dit Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire. Puis ça finit là. Puis comme de fait, ben, aujourd'hui, euh, on le considère comme un écrivain d'horreur plus que d'un écrivain fantastique. Donc, Salem. Très 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 bon livre, donc je vous dis je vous donne mon ressenti. Page 66-67, je constate que le livre est profondément écrit dans son époque. Lorsque Suzanne rentre chez elle après sa première rencontre avec Ben, un livre autographié entre les mains, sa mère demande à le voir et elle dit qu'elle a entendu dans les journaux que le livre était atroce et qu'il y avait même des garçons qui forniquaient avec d'autres garçons. Le fait que ce soit un scandale à ses yeux nous démontre que même dans les années 70, tout ce qui touchait à l'homosexualité n'était pas encore réglé comme aujourd'hui au Canada. Comme aujourd'hui, pardon. Au Canada, il n'a été décriminalisé qu'en 1968. Et aux États-Unis, il a fallu de 1961 en Illinois jusqu'en 2003 au Texas pour que les droits des homosexuels soient partiellement reconnus. Et seulement en 2016, le mariage a été légalisé à la grandeur du pays. Dans le Maine, ça ne sera légalisé qu'un an après la sortie du livre. Okay? Fait que ça, ça veut dire qu'au moment où que Stephen King écrit son livre, lui, un, il vient du Maine, l'homosexualité n'est même pas encore légalisée à ce moment-là. On est profondément dans le contexte de l'époque. C'est très bien rendu. Très très bien rendu. Donc, euh, sinon, autre partie de mon ressenti, les échos à Dracula sont très intéressants. Via le déménagement de la caisse dans la Marston House, cette partie est occultée dans le roman et on la découvre plutôt en même temps que les personnages à mesure que l'histoire progresse. Mais ici, il y a clairement des choses louches, notamment avec la transaction entre Croquet et Stracker. Donc, en gros, si vous vous souvenez, dans le livre de Dracula si vous avez vu les films, quand il déménage de son château de la Transylvanie pour aller à Londres, il dit J'ai rien à transporter, juste des caisses. On le sait déjà qu'il transporte des caisses. Mais là, il y a une mise en scène complète écrite. Puis qui nous explique le déménagement. Genre qui nous montre à quel point c'est louche. Qui nous explique son système de cadenas pour cacher ses caisses, etc. et tout. Euh, très, très belle réussite. Très belle réussite et très belle écriture par rapport à ça. Rien à redire sur ça, c'est très bon. En passant à Fun Fact, il y a un personnage qui s'appelle Stracker, qui est comme l'assistant. De, qui est comme l'assistant du, du vampire, grosso modo. C'est lui qui organise tout le complot. C'est l'espèce de Renfield dans cette gang-là, mais tracker ça ressemble étrangement à Stoker. Je suis pas mal certain qu'il y a un lit. Aussi, il est étrange de voir Ben Mears et Matt Burke, le prof de littérature, accepter l'idée que les vampires puissent exister. Je m'étais mis ça aussi comme note. C'est peut-être une affaire que je reprocherais au livre. Grosso modo, dans Dracula, on a le professeur Van Helsing, OK? On a le professeur Van Helsing, qui est un spécialiste chrétien scientifique du vampirisme, OK? C'est cohérent. Ça se passe à une époque où c'est cohérent d'avoir ça. Le problème, c'est que là, ici, on est dans les années 1970, ok Ça fait longtemps que ça. C'est des mythes scientifiques qui ont été balayés du revers de la main par la science. Fait que là, Stephen King peut pas arriver avec genre quelqu'un qui s'est spécialisé dans la recherche des vampires toute sa vie, qui en a fait son métier. Ça serait pas cohérent. Donc quelle solution il a trouvé Il a décidé de faire en sorte qu'il y ait un vieux prof un peu foufou qui tripe sur la littérature, qui connaît toutes les affaires des vampires. Le problème, c'est que les gens acceptent beaucoup trop facilement la théorie du vampire. Peut-être un peu trop. Je comprends que le récit, faut qu il faut qu'il avance. Mais malheureusement, c'est accepté trop facilement. Et sachant que l'auteur a coupé des affaires dans son roman, parce que ça, on va en parler un peu plus tard, parce que ce livre-là a été coupé. Et les passages qui ont été coupés sont mis à l'intérieur de tout ça. Okay? Un peu plus loin. On peut les lire. Mais je suis surpris que même dans ces passages coupés-là, il n'y ait rien qui vienne un petit peu améliorer la sensation de non qui viennent améliorer la sensation qu'on commence à y croire quand on a des preuves devant nous autres. Là, c'est comme, on a des soupçons, donc c'est des vampires. Mmh, pas tant. À l'inverse, par exemple, il y a un autre personnage qui y ressemble un peu. C'est un enfant. C'est un enfant. Et lui, il connaît les vampires parce que c'est un enfant, parce qu'il s'intéresse à ça, parce qu'il y croit. Fait que c'est logique d'en faire une mine de savoir. Un petit garçon passionné par ça, même s'il pense qu'il croit ça ou il pense que c'est des mythes ou peu importe, ça fait du sens qu'il possède ce savoir-là. Mais le vieux club de littérature, ça fait pas vraiment de sens. Fait que c'est con, mais moi je pense que ici l'erreur que Stephen King a faite, ça a été de diviser son archétype de professeur Van Helsing en deux entre le vieille, le vieux professeur puis l'enfant. Dans le livre, malheureusement je pense que c'est une erreur. Il aurait dû exclusivement prendre l'enfant pour ça. Parce que souvent dans les films d'horreur, l'enfant voit quelque chose et les gens le voient pas. Puis c'est plate, mais dans un récit d'horreur, le scepticisme est extrêmement important pour la crédibilité de l'histoire. Malheureusement, il est un peu manquant là-dedans. Malheureusement, les personnages croient trop facilement qu'il y a une menace et sans vouloir être plate. Le problème que Stephen King a, c'est que sa menace, elle était tellement grande, tellement puissante, qu'il fallait que les personnages y croient rapidement pour pouvoir la gérer avant qu'elle dégénère trop. qui s'est comme mis tout seul dans un piège d'écriture, selon moi, et ça fait en sorte qu'on a malheureusement ces petites incohérences-là, qui sont pas spécifiquement graves, là. le roman s'apprécie quand même, mais tu sais, tu lis, t'es comme... À peu près. Donc, euh... c'est ça. Puis tu sais, le médecin il se fait facilement convaincre aussi, ridicule un peu, bref, tout le monde se fait convaincre vraiment facilement, genre le scepticisme, là, pff, non, pas vraiment. En bon, ça, je, dis, je dois admettre que je suis moins fan du type de vampire à soi fait de sang qui tue tout le monde et les transforme tous en vampires à Salem. Cela me semble illogique et pose un énorme problème de cohérence. Comment une ville de vampires peut-elle subsister en cachette si aucun humain n'y vit Ils vont attaquer les touristes Si les vampires sont si vieux, pourquoi cette ville en particulier Comment n'ont-ils pas encore pris le contrôle du monde Genre, pour vrai, la menace du vampire, elle est tellement puissante que tu te demandes pourquoi est-ce que le monde n'est pas dominé par des vampires C'est con, mais Dracula avait trouvé cet équilibre-là où il choisissait spécifiquement ses victimes. Puis que, quand il prenait le sang sur quelqu'un, oui, la personne mourait, mais c'était subtil un peu, puis ça transformait pas les gens en vampires. Parce qu'il faut savoir que tout le monde se fait transformer là-dedans. Mais Dracula choisissait qu'il transformait. Mais quand il buvait le sang de quelqu'un, la personne mourait, puis ça finissait là. Parce que, la logique dans les films de Dracula, c'était que, puis dans les livres aussi, c'était qu'il fallait que tu meurs en ayant du sang de vampire dans ton corps pour pouvoir être transformé. Mais si tu te faisais mordre, ben, tu te transformais pas. C'est aussi simple que ça. Mais là, dans ce roman-là, se faire mordre est suffisant. Okay, désolé, mais on a un problème avec ça. Ça va un peu trop vite. Donc, euh, finalement, conclusion j'ai beaucoup aimé l'histoire. On sent que Stephen King a tenté de se détacher de Dracula pour raconter sa propre histoire. Ça fonctionne. Même si certains procédés narratifs familiers sont présents, parfois ça fonctionne. Parfois ça crée des incohérences. Mais c'est malgré tout très bien réussi pour un deuxième livre. Donc, c'est un bon, un bon livre. Moi, je l'ai mis 4 étoiles. Sur Goodreads. Parce que je trouvais que c'était pas un livre assez parfait pour mériter un 5 étoiles, mais ça reste un très, très, une très belle œuvre. Donc, sinon, à l'intérieur, il y a deux nouvelles ajoutées. Il y a une nouvelle qui est un préquel et une nouvelle qui est une suite très courte à ça. Mais le préquel sert pas à grand chose. Les deux, en fait, je vous le dis, les deux ne servent à rien. Ça apporte rien à l'histoire dans aucun des cas. C'est sympathique, sans plus. Ça apporte rien. Fait que tu peux te contenter d'une n'importe quelle édition et de juste lire l'histoire de Salem. Mais le reste, tu peux t'en passer. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Donc, tu sais, j'ai noté quelque chose aussi par rapport aux scènes coupées. Genre, tout ce que Stephen King a enlevé de son livre. J'ai dit « La plupart des scènes coupées contiennent essentiellement des descriptions, des discussions de plus ou des versions alternatives de certains moments clés de l'histoire. Euh, à l'exception de deux gros changements dignes de mention et un minime, le reste est très facultatif et ne change absolument rien. Cependant, je crois qu'ils auraient eu leur place dans le récit original. Et le fait que King les ait gardés pour les ajouter à cette édition durant tout ce temps m'indique que la raison pour laquelle il les avait enlevés, c'est parce qu'il n'y avait pas assez confiance en son style d'écriture. Et qu'il a sans doute écouté, en tant que jeune écrivain, ses éditeurs et les conseils. Première chose, il y a une scène où Ben, Mears et Suzanne, une femme, vont faire l'amour dans un parc. Euh, la scène se finit là, puis par après ça, ils vont la porter chez eux, puis point barre. Sauf qu'après, il y a une discussion que Stephen King avait intégrée dans le livre, mais qu'il a enlevée. Et ça, c'est une bonne chose qu'il l'ait enlevée. La raison à ça, c'est qu'il n'y a aucune chance que Suzanne, après avoir eu cette conversation-là, veuille continuer de voir Ben. Parce que Ben passe pour un fou pendant qu'il fait. Il pourrait, n'importe quelle femme aurait pris la fuite. Genre, vraiment n'importe quelle femme. Fait que moi je dis, bonne idée, Stephen King, t'as bien fait de l'enlever parce que sinon, pourquoi elle serait restée avec Voilà, c'est à peu près ça. Donc, bon choix d'avoir l'avoir retiré pour celle-là. Ça, c'était le changement un peu minime. Par contre, il y en a deux majeurs, ok Il y a un personnage qui s'appelle le père Callahan, ok Le père Callahan, ok Plutôt que d'être infecté par le vampire qui s'appelle Sarlinov, mais dont je ne révélerai pas le nom. Le premier nom qu'on lui avait donné, c'était Sarlinov. Je l'ai appelé par ce nom-là pour ne pas révéler le nom du personnage qui est relié, pour ne pas spoiler. Donc, le nom original du vampire, c'était Sarlinov. Donc, Sarlinov, en fait, euh, il est un personnage qui critique la politique américaine. Genre, vraiment, dans ses propos, dans sa manière de débattre, puis dans sa manière de parler au père Callahan à un moment donné... Il critique la société américaine de manière très ouverte. Toute la partie politique du livre a été retirée par Stephen King. Puis il faut savoir que ce livre a été écrit dans le contexte du Watergate, ça venait juste d'arriver, fait qu'il y avait beaucoup de sensations de société obscure, corruption, les gens qui nous surveillent, le mal autour de nous autres sans qu'on s'en rende compte, etc. Il y a un petit peu de ça à travers, mais ça paraissait pas tant que ça dans le final. Mais à la base, ça paraissait beaucoup plus, et ça, c'en est un très bon exemple. Donc, sauf que le père Callahan dans cette version alternative là était censé mourir. Mais c'est un personnage qui ne mourra pas. Donc, il, se, il est censé se suicider avec un couteau qui va avoir béni et dont il se sera servi pour blesser Sarlinov. Donc, il est retrouvé plus tard, normalement, dans cette version alternative-là par Ben et Mark, plutôt que d'avoir simplement eu un autre destin. On va s'en tenir à ça. Le destin en question est écrit dans euh, le résumé. Mais je vais juste me contenter de dire que si vous avez lu la tour sombre, vous savez ce qu'il devient. Si vous n'avez pas lu la tour sombre, vous saurez ce qu'il devient. C'est tout ce que je vais dire. Voilà. Donc, et trois, ça c'est le dernier changement majeur, c'est du côté de la mort du vampire, ok? Dans le fond, le vampire meurt pas de la même façon dans la version finale que dans la version que King avait écrit en premier. Dans le fond, euh, la, et ça change aussi la mort d'un autre personnage, dans la version alternative, au lieu d'avoir des pièges et d'autres vampires qui sont dans des cercueils pis qui attendent que la nuit tombe pour aller à la chasse, en fait, il y a un piège à rats, un peu, en fait, pas un piège à rats au sens de, des trappes à souris, mais vraiment, genre, tu rentres il y a des rats qui t'attaquent et tout le kit, et les personnages se sont procurés de l'eau bénite dans des enfin, dans des, des extincteurs qui pitchent sur les rats pour les éloigner. Sauf qu'ils commencent à manquer une munitions, puis la tension elle est créée sur la limite de quantité d'eau bénite qu'ils possèdent. Genre, s'ils n'ont plus d'eau bénite, les rats vont le rentrer dedans. Genre, il n'y aura pas de doute avec ça. Et là, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rendre au vampire, puis ils vont le tuer en lui plantant un pieu dans le cœur. À la limite, juste avant qu'il se réveille, avant que le coucher du soleil arrive. Fait que. Le facteur de tension, il est basé sur les rats et non pas sur le coucher et le lever du soleil. Ok Le problème, c'est que ça enlevait un problème de cohérence parce que s'ils tuent puis qu'ils ont plus d'eau bénite, ben les rats, bah bon, il a plus d'eau bénite, parfait, hein, on bouffe tout le monde puis merci bonsoir, ça finit là. Ben, là, ils se sont dit ouais, ok, faut qu'on change en fait le piège puis la menace puis la problématique. Fait que ce qu'ils ont fait à la place, c'est que ils ont mis les vampires qui attendaient le moment. Pis ils se sont dépêchés de trouver un moyen d'utiliser, mettons, une hache pour s'infiltrer dans la salle où se trouvait le vampire, sortir son cercueil et l'exposer à la lumière du jour avant que le soleil se couche pour qu'il puisse mourir avant la nuit. Sauf que les autres vampires ne sont pas morts, puis c'est ça, qui, justement, que vu qu'ils n'ont pas eu le temps de les tuer eux autres, c'est eux autres qui sortent et qui créent le facteur de tension. Grosso modo. C'est à peu près ça. Fait que. C'est ça. C'est vraiment, euh... vraiment la grosse différence, là. Euh... Mais. C'est pas très grave, je veux dire. C'est pas. pas tant un moment de récit. Comment je dirais. Comment je dirais ça? C'est pas un moment de récit à l'intérieur du livre qui est si accrochant que ça. Genre. Dès le début du roman, tu le sais comment ça va finir. Sauf que. C'est pas ça la fin. Parce que la fin, même si là, ce que je viens de vous décrire vous semble être une fin qui est bonne, la réalité, c'est que la fin, elle est très grise. La fin est très grise. Et c'est ça la réussite. La véritable fin cachée. J'en dis rien de plus. Je vous laisse la découvrir. Ça, pour moi, c'est une prouesse et une très grande réussite. Et c'est là qu'est la force du roman. C'est que cette fin grise-là, elle était préparée, à la fois improvisée. Parce que l'auteur l'a avoué qu'il a juste laissé sa plume le guider, puis il a écrit son histoire à mesure qu'elle se construisait. Donc, le génie de Stephen King, c'est d'avoir fait une fin à la fois si cohérente, si prévisible et prévoyante. Mais imprévisible à la fois et improvisée et c'est ça le génie. Mais je ne dis rien, vous verrez cette fin-là si vous décidez de lire le livre parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché. Mais évidemment, on se doute bien que dans un livre comme ça, oui, ça va finir comme ça parce que les romans de Stephen King se finissent toujours par un retour à l'équilibre. Mais ce retour à l'équilibre là, vous l'aurez constaté si vous connaissez votre... vous avez de l'expérience dans la lecture de Stephen King, n'est jamais totalement blanc. Mais ici la version grise de cette fin, elle est géniale. Moi, je la trouve absolument géniale. Donc, euh, si je fais un résumé très simple, Ben Mewst arrive en ville, il veut écrire un roman, il se sent inspiré par une maison dans laquelle il a déjà eu des tragédies, il découvre des affaires un peu bizarres, il se rend compte qu'il des vampires. Ok, on se met une grotte de citoyens et on part à la chasse. Basically, je viens de vous résumer Dracula. Salem, c'est le même résumé. C'est juste ça. On, on y va au plus simple. Donc, ça, c'est bon pour ça. Puis sinon, ben, les deux nouvelles, comme je disais, n'apportent vraiment pas grand-chose. Euh, comme je disais, en fait, c'est vraiment juste que c'est là, c'est cool, on l'apprécie, mais sans plus. Sans plus, tout simplement. Sinon, ben, les sources d'inspiration, ben, Dracula est évidemment une source d'inspiration, c'est totalement ça. Mais sinon, euh, les contes de la crypte de Frank Norris, il voulait que ce soit mélangeant entre les deux, puis on sent que les deux se mélangent beaucoup. Donc c'est vraiment la question qui s'est posée, c'est vraiment genre si Dracula était aux États-Unis dans les années 70, ça se passerait comment Et Stephen King nous a écrit une histoire en conséquence. Ensuite, ben le style est inspiré, comme je disais, des contes de la crypte, mais aussi de Dracula. C'est les deux principales sources d'inspiration pour ceci. Donc euh, et comme je disais, ben l'auteur, euh, en fait l'auteur Stephen King dit que Salem est le roman préféré qu'il a écrit de sa vie et euh, il va dire aussi d'ailleurs dans sa préface qu'il voit l'homme de Braf Stoker comme une vision optimiste de la science parce que le compte aussi puissant soit-il, ne peut rien faire contre des hommes de science et de raison. À cette époque, la science était porteuse d'espoir puisqu'on était en plein 19e siècle. Cependant, King note que cet optimisme pour la science n'est pas le même en 1972 lorsqu'il a commencé à rédiger son livre. La science n'est plus autant porteuse d'espoir mais d'inquiétude. Donc, pour lui, la science est source d'inquiétude. On le sent par exemple avec tout le contexte politique. Ça fait en sorte que le livre de Stephen King est beaucoup plus sombre et plus pessimiste. Il y a moins d'espoir, c'est moins beau. Bref, les chances de sortie, de survie sont basses tout le long. Le roman est plus sombre que Dracula. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que c'est une vision pessimiste, alors que le roman de Bram Stoker est un livre optimiste. Donc... Contexte social d'écriture, ben je l'ai parlé, scandale du Watergate, etc. Les deux nouvelles étaient dans Danse Macabre, il les a sortis de là, puis ils les a intégrées dans ça. Il a rajouté les 5 coupés, ben, les, les parties du script qui étaient coupées, etc. Mais pour le reste, en fait, c'est vraiment genre. Euh, infiltré par, Le gouvernement est infiltré partout, comme avec le Watergate, c'est vraiment ça, une, une des sources d'inspiration. Puis c'était plus clair dans le script original, comme je disais. Mais Stephen King a fini par enlever ça. Mais on le sait aujourd'hui que c'était ça sa source d'inspiration, à cause qu'il a gardé sa première version, puis tout ce qui venait avec. Et comme je disais, ben quand, euh, quand ça est venu le temps de publier, l'auteur il a dit « Écoute, ton roman il est génial, sauf que tu vas te faire accuser d'être un, un écrivain de fantastique. Stephen King a dit « Je m'en fous. » Et on a donc eu droit à Salem. Donc, euh, très bonne recommandation. Euh, je vous invite à le découvrir. C'est un livre qui mérite sa lecture dans son entièreté. Il est un petit peu plus gros que bien des Stephen King habituels. Vous pouvez le juger à son épaisseur. Il y a des livres qui sont beaucoup plus petits. Mais je vous dirais que même si c'est Dracula, que vous connaissez l'histoire de Dracula, puis vous savez comment Dracula se finit, ben c'est la touche Stephen King qui rend le roman plus génial et qui vaut la peine d'être lu et vécu. Donc euh, laissez-vous immerser par cette histoire-là qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus pessimiste que Dracula, qui est très très différente et qui malgré ses petites incohérences a son petit charme et mérite amplement les critiques positives qu'il a suscitées sur les internets. Donc euh, ça c'est bon pour ça, maintenant on embarque sur le prochain qui va être, euh, euh, on va prendre lui en fait, en premier, le Bouddha brisé chapitre 1, ça va aller très très vite, je vous le garantis, ok? Ben, en fait, je pourrais, je pourrais tout vous les montrer, là, parce que les quatre sont là, puis c'est une histoire qui se suit, donc c'est une histoire qui n'est pas terminée, donc euh, grosso modo, bah euh, ben, tiens, grosso modo, Bouddha 2, Bouddha 3... Bout de 4. Donc, euh, on va faire ça très simple demain. Je vais laisser même le 4 déjà. Donc, petit petit résumé d'histoire. OK. On y suit un personnage qui s'appelle Alex. Donc, qui est à la veille de la trentaine. Et qui euh, trouve... Euh... Bon, en tout cas, on y suit Alex et son quotidien. C'est un jeune artiste en herbe qui essaye d'écrire des bandes dessinées puis qui n'est pas capable de le faire. Il a un syndrome de la page blanche. Il ne va pas bien. Sa santé physique, mentale, affective ne va pas bien. Puis, il vient en colocation avec Martin et Jean-Denis. Martin, c'est un poète raté, qui a un gros ego démesuré, puis qui voudrait avoir son propre café à lui, mais qui n'est pas capable de l'avoir. Mais il critique le style de vie d'Alex, puis c'est vraiment un petit tête insécrable. Et de l'autre côté, on a Jean-Denis, qui est un barman, et qui essaie de comprendre Alex. Genre, il essaie d'être gentil, il essaie de le comprendre, et il essaie de l'encourager à chercher de l'aide. Et c'est vraiment le portrait typique du deux types d'amis de toi quand tu vis des problématiques de santé mentale. T'as ceux qui te poussent dans le cul, puis qui te disent « t'as juste, juste arrêté d'être lâche ». Et t'as ceux qui essaient d'être compréhensifs puis qui disent d'aller chercher de l'aide, mais que t'as pas envie d'entendre des gens dire va chercher de l'aide. sais, c'est deux amis qu'il y en a un qui préfère entre les deux, mais que les deux te donnent pas les conseils que tu veux avoir, tout simplement. Donc, bref, euh, finalement, on y suit Alex, grosso modo, et à force de se faire écœurer, Alex décide de se prendre en main et d'aller chercher une job. Il va aller prendre un petit café, il va voir une fille qu'il avait connue à l'époque au cégep en littérature, euh, il va voir aussi une femme qu'il trouve vraiment très belle, euh, bref, qui s'appelle Ophélie. Et tranquillement, pas vite, il trouve la motivation d'aller chercher une job. Puis, rendu à la maison, il y a un bouddha dans sa chambre qui brise, qui est brisé par Martin. Martin qui s'est infiltré dans la chambre d'Alex, puis que, il a brisé son bouddha, puis il dit Oh, moi je m'en fous, il y a juste à pas être un humain comme il est, puis moi je réparerai pas ses affaires, etc., etc. Le bruit de ce Bouddha-là est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que même s'il ne revient pas pour l'instant dans les comics, bien, on va constater quelque chose d'important c'est que c'est vraiment le moment où le, quelque chose commence. Ce quelque chose-là, vous l'apprendrez dans les prochains chapitres, bien entendu. Mais c'est le moment où quelque chose commence. C'est comme un espèce de point déclencheur. La métaphore du Bouddha qui est brisé, c'est la métaphore d'un événement déclencheur très important dans la vie d'Alex. Je ne peux pas en dire plus. On va, on va simplement se contenter de parler de la dissociation. Phénomène qui va revenir souvent à l'intérieur. Et vous comprendrez ce que c'est en le disant. Donc ça, grosso modo, c'est pour le chapitre 1. Euh, J'en dirai pas plus sur le sujet. Je vais me contenter de donner mon ressenti. Dès les premières pages, on sent tout de suite quelle est la caractérisation d'Alex. Il se cherche, il ne sait pas où il s'en va, il est mélancolique et souhaiterait achever un projet de BD. Les nouvelles jouent sur son téléphone et ça parle d'établissements de santé qui vont fermer. La critique et la réflexion sont très claires dès le début, donc le livre se veut être une critique sociale en général. Une critique des êtres humains, mais de la société aussi, de tout ce qui va mal. On sent aussi la critique quand Alex va porter ses CV envers le monde du travail qui accorde la valeur au diplôme que lui ne possède pas. Mais dans un monde où tout le monde a besoin de travailler, quand t'as pas de diplôme au Québec, trouver un emploi, c'est très difficile. Puis t'as peu de choix à puis c'est pas tout le monde qui a les moyens et les capacités d'être aux études. La métaphore de la course dans la noirceur avec la dépression est là aussi. Les démons intérieurs et l'acceptation de soi, tout est très clair. Il euh, y a un patron d'épicerie qui est représenté aussi que c'est vraiment le modèle typique du capitaliste qui, qui offre des jobs de marde à du monde, mais qui essaye de tenir le discours que c'est un honneur de placer des fruits et des légumes dans un dans un magasin là, non, c'est pas un... non, c'est une job étudiante que t'as pas besoin d'études pour ça, il a pas d'honneur vers ça. Puis il une espèce de culture à l'intérieur, genre des... des gens qui passent leur vie dans les épiceries que ah, ils vivent que pour cette job là là. Tu sais du monde qui veulent tellement être engagé dans leur job que tu sais on atteint un niveau d'engagement de personnes envers ce job là comme si c'était la job de leur vie alors que pour beaucoup de gens, c'est juste une job de passage. Mais on atteint un niveau d'engagement. Puis c'est une espèce de dissonance générationnelle. Beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeunes de la génération X qu'on retrouve dans ces types de jobs-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas accès au marché d'emploi que les boomers avaient eu. Aujourd'hui, la dynamique a rechangé et il y a un fossé générationnel qui se crée entre les deux types de pensées. Puis sinon, ben d'ailleurs, il y a plein de petites affaires, genre par exemple AGI, IGA, RTC, Réseau de Transport de la Capitale, est remplacé par RPG pour Réseau Pauvrement Géré. Ceux qui vivent à Québec comprennent tout à fait ce que ça veut dire. Sinon, en termes d'inspiration, euh, j'ai remarqué quelque chose. Euh, ben en fait, j'en ai parlé avec l'auteur en personne, OK? J'en ai parlé avec l'auteur en personne, puis il m'a clairement dit ses sources d'inspiration. Ophélie est inspirée du design de Ramona dans Scott Pilgrim. Euh, c'est ça, il y a plein d'inspirations autour au Québec. Euh, tout à fait. Il y a sinon euh, Bakuman dans ses inspirations qui sont très importantes. Puis on voit euh, les, beaucoup de références avec Bakuman. Beaucoup, beaucoup de références. Sinon, euh, ça c'est pour les gens de la région de Québec. Mais au début du chapitre 3, on a un petit tacle envers Radio X qui me fait bien plaisir. Euh, qui devient Chier FM, la poubelle radio à Québec. Ça, je trouve que c'est du génie. Euh, il y a une référence à François Pyrrhus avec Le Jour Nul, à quelque part. Euh, il y a des petites affaires payer 18 cachées. Euh, je vous dirais juste, ouvrez le chapitre 3, regardez la fille avec quelqu'un qui a une main sur son épaule, piquée sur le bord de la fenêtre quand il y a le printemps en fond. Si vous lisez le chapitre 3, je vous dirais que vous allez remarquer un petit quelque chose. Voilà. Donc, euh, finalement, un euh, petit point que j'avais noté, j'ai trouvé que c'était abrupt de voir la dissociation de l'identité apparaître soudainement après la nuit avec Ophélie. Sauf qu'après réflexion, je me suis dit, ça, un, ça a été préparé dès le chapitre 1, mais de manière très subtile, premièrement. Notamment par la transformation de certains carrés, en bulles de, pensée, de, carrés de pensée en bulles noires à la place. C'est imagé métaphoriquement par la couleur de tes, des bulles de dialogue des personnages. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai parlé du Bouddha qui s'est brisé tout à l'heure. Mais il faut se rappeler d'une affaire aussi. C'est que euh, il y a beaucoup dans 1, l'œuvre n'est pas terminée. Puis l'auteur m'a dit que dans le cinquième volet, il allait avoir beaucoup de réponses qui allaient être données. Première des choses. Puis deuxièmement, c'est une bande dessinée. Il faut que ça aille vite. Clairement, la BD est 16 ans et plus, ok? La BD, elle est 16 ans et plus et. Euh, ah oui, puis en pensant c'est l'édition spéciale, c'est pour ça que c'est pas la même. Euh, pour ça que c'est pas la même couleur. Mais l'édition spéciale vient avec euh, euh, ben, d'abord un autographe de l'auteur et un petit dessin, tout d'abord. Mais aussi par un petit message en arrière euh, comme ça, qui parle d'une autre source d'inspiration. de Twin Peaks de David Lynch. Donc qui est une autre source d'inspiration de l'auteur. Mais dès le début, donc, tout a été préparé. Puis c'est une BD, il faut que ça avance plus vite. Même si c'est ans et plus, puis que ce n'est pas nécessairement pour les enfants, une bande dessinée, il faut que ça avance. Parce que ce n'est pas un roman. On est vraiment plus dans le show, don't tel. Donc ça veut dire que si tu regardes la BD, puis que tu as raté les subtilités dans le décor, que tu n'as pas été attentif à ce qui se cache dans la décoration, ça se peut que tu aies raté des bouts, puis tu te dises, me semble que c'est allé vite un peu. Non, c'est pas allé vite. C'est juste une perception si tu as raté des affaires. Fait que moi ce que je vous dirais c'est que ça se lit très vite pour vraiment une journée je les ai lus les quatre, ça prend deux heures à tout cracher, faire le tour de tout ça, c'est 40 pages par petit tombe. Très rapide, très facile à lire. Euh, je me suis fait des résumés des chapitres pour, ne... pour bien tout retenir, mais sachez que plus le récit avance, plus Alex prend des décisions et fait des mauvais choix, et ces mauvais choix-là entraînent des conséquences sur lui sur les autres, et on va aussi le blâmer pour ça. Et il fait une descente aux enfers de plus en plus, qui est caractérisée justement par la couverture que vous voyez là, qui est une descente. Et euh, l'auteur a sorti la couverture du cinquième, euh, du cinquième, euh, de la, du cinquième chapitre. Descente aux enfers était très, très, un, était un bon mot choisi. Parce que la fin, ben, c'est l'arrivée au chapitre 5 en enfer. Mais ça, vous le verrez si vous lisez le livre. enfin bon, sinon, narration. Dès l'ouverture des premières pages, on a aussi... Ça. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est vraiment un bout intéressant. Euh, au début de chaque BD, on a ceci, en fait. On a. On a cette petite page-là, juste ici, avec les personnages qui nous sont présentés, donc sur le côté. On peut voir, par exemple, euh, Alex, euh, Jean-Denis, Martin, et ça, c'est une petite caractérisation des personnages qui est très rapide, qui nous permet de savoir à qui qu'on a affaire, ok? Euh, Moi, je trouve que c'est très, 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 très intéressant, tout ça. Et, justement, ça nous permet, puis en plus, quand c'est réécrit à chaque nouveau chapitre, c'est réécrit par rapport à l'évolution qu'ils ont eue. Genre, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur parcours. On rajoute des personnages au besoin, les nouveaux qui ont été découverts. Au début, il y en a juste trois. Mais après le premier chapitre, on en découvre deux de plus. Euh, deux de plus, pardon. Puis, euh, puis eux autres, ben, on les rajoute ici. Donc Voilà. Euh, très intéressant de ce côté-là d'avoir rajouté ça. Très, très bonne idée. Mais il y en a qui argumenteraient, ça nous empêche de découvrir la caractérisation des personnages par nous-mêmes. Je te dirais que tu la découvres après la page 1. Fait qu'il n'y a pas raté grand-chose. Tu n'as vraiment pas raté grand-chose. Tu comprends tout de suite qui ils sont dès la page 1. Fait que, entre cette petite description-là et la page 1, tu n'as rien de différent tu as déjà tout compris. Fait que, pourquoi pas? Ça permet de le caractériser puis de se centraliser sur ça et peut-être être attentif à autre chose comme les décors. Comme je disais tantôt, c'est important. Donc, puis finalement, euh, j'ai parlé à l'auteur puis je lui ai demandé, euh, tu sais je lui ai demandé, en fait, pourquoi euh, ton roman, etc., euh, ben, ton histoire, etc. Ce qui m'a répondu, c'est que durant un moment difficile de sa vie, l'auteur s'est mis en tête y... d'explorer les mots de la société puis qu'il faisait sentir mal en société. Donc, il a voulu reproduire le tout sous forme de métaphore, mais une métaphore à travers des dessin et histoire, dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Pour pas que ce soit juste son histoire à lui, mais que ce soit l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis si moi, qui connais très bien l'auteur et qui le connais personnellement, a été capable de constater que l'histoire que j'ai lue c'est celle d'Alex et non pas celle de l'auteur... Eh bien, imaginez quelqu'un qui ne le connaît pas, le niveau d'immersion qui vient avec. Ça veut dire que c'est réussi. Parce que si moi, je ne me suis pas rendu compte à la lecture et je n'avais pas nécessairement de lien à faire avec l'histoire de l'auteur, ça veut dire que ça parle suffisamment à tout le monde. Et ça, c'est une prouesse d'écriture qui est bonne. Très, très bonne. Parce que c'est plate, mais quand c'est trop le récit de quelqu'un d'autre, c'est plus difficile de s'embarquer. Tandis que quand tu peux t'identifier au personnage, c'est plus facile. C'est d'ailleurs le secret des jeux Zelda. Pourquoi est-ce que Link parle pas Pour que tu puisses t'identifier à lui. C'est aussi simple que ça. Parce que parler implique de devoir lui donner une personnalité. Voilà. Donc euh, il voulait critiquer donc la mauvaise gestion de certains aspects de la société en général et tout ce qui touche la majorité qui est affecté par cette mauvaise gestion-là. Il considère que ce projet-là est inachevé, bien entendu, parce qu'il reste encore 5, euh, 5, 6 et 7 à écrire. Et ben évidemment, ça veut dire qu'il y a encore ben, de la job à faire. Donc voilà. Ça c'est le contexte social. Euh, sinon, il euh, y a des commerces qui changent de nom, comme AGI pour IGA, RTC, RPG, Coca-Cola, Coca-Cola, euh, Binox pour Binots. Donc, il euh, y a plein de petites affaires de même. Par contre, si vous voyez un, si vous voyez par contre un, un commerce que son nom est le véritable, c'est que l'auteur a eu une entente avec ça. Avec le commerce en question pour l'intégrer. Le meilleur exemple, c'est le Fanamanga. Le Fanamanga, c'est un commerce qui existe pour de vrai, puis très drôle, soit dit en passant. Il est représenté à une certaine page, exactement là où il se trouvait à l'époque de l'écriture. Parce que dans le fond, c'est un commerce qui a déménagé. Mais si on regarde à cette page-là, ici, on voit le Fanamanga exactement où il devrait être, sur le coin de la rue du Pont et de Saint-Joseph. C'est exactement là qu'il était autrefois. Puis il est dessiné exactement comme ça. Fait lui, il s'est rendu sur place, il a dit Hey, je voudrais intégrer votre commerce dans mon roman. Je peux-tu l'utiliser Oui, parfait, pas de problème. Tac réglé comme ça. Et ça, c'est le niveau de réussite. Là. Si vous êtes un habitant de la ville de Québec, et plus précisément de la basse ville de Québec, tout est traité aux petits oignons. Les adresses sont bonnes, les lieux sont bons, la représentation autour est bon les décors sont bons, tout fonctionne. Tout fonctionne, tout est là où ça devrait être, et pour vrai, c'est s'y méprendre. Je veux dire, tu peux imaginer des coins de la ville de Québec comme ça. Évidemment, c'est comme par exemple le Fanamanga a déménagé, donc forcément, c'est plus... Ça, c'est plus le même endroit, bien entendu, mais quand même, c'était c'était génial. C'est absolument génial d'avoir autant de fidélité dans la reconstitution de l'environnement. Donc, pour vrai, si vous avez un jour une petite envie de vous lire une BD bien de Québec, bien issue de Québec et québécoise, c'est un très bon choix. C'est une BD 16 ans et plus qui n'est pas du tout enfantine, qui aborde des enjeux de société très importants. Euh, J'ai très hâte au chapitre 5, parce que là, je sais que l'auteur, après que j'y ai parlé, que j'avais lu ces chapitres puis que j'allais en parler sur Twitch... Je l'ai craqué un peu, puis il a dit parfait, je me rembarre sur le projet. Puis là, je sais qu'il est à fond là-dessus depuis un petit bout de temps. Et je lui souhaite de trouver donc euh, toute la motivation de clancher et terminer son projet. Donc, euh, très chaud de recommandation de lire Le Bouddha brisé. Donc, euh, ça c'est bon pour ça. Maintenant, le dernier livre pour la soirée, ça va être euh, celui-là, ici Porte plainte de Léa Clermont-Dion. Donc, il y a un petit. Euh, un petit attache de plus ici, euh, tout simplement, c'est pour ça qu'on le voit ici. Mais l'édition, normalement, c'est telle que vous la voyez à l'écran. Donc, euh, porter plainte, euh, plainte. Donc, euh, voici. Elle me conseille vivement de ne pas porter plainte contre lui, car je pourrais nuire à ma carrière. D'ailleurs, il ne m'a pas violé. Il vaut mieux ne pas en faire tout un plat. Agressée sexuellement par son patron à l'âge de 17 ans, Léa clermont décide, près d'une décennie plus tard, de poursuivre l'agresseur en justice. Elle consignera son expérience dans son journal jusqu'au procès. Pendant ce temps, l'affaire Harvey Weinstein déclenche le mouvement MeToo et des millions de femmes dénoncent la culture du viol à visage découvert. La déposition criante de vérité de porter plainte témoigne de la froide autorité du droit et des luttes des victimes de crimes sexuels qui reprennent la parole qu'on leur a soustraite. Alors, wow. Ce livre-là a vraiment, mais vraiment suscité des émotions. Qui était forte. Ok, je lis en résumé comme ça. Injustice, colère sont les émotions qui me viennent à l'esprit, mais aussi empathie. Beaucoup d'empathie. Lorsque Léa kellermond raconte ses émotions durant son procès et son interrogatoire, l'impression que cela me fait est celle d'une nostalgie inversée. Lorsqu'on est nostalgique, on se remémore des moments doux, plaisants, qui nous font sourire, nous réchauffent le cœur, nous replonge dans un passé qui n'existe plus. Mais ici, il faut s'imaginer plonger dans un passé qui existe encore partiellement, qui nous serre le cœur, nous fait pleurer et nous remémore des événements douloureux qui suscitent même un sentiment de honte de la même manière que lorsqu'on a fait une connerie et qu'on y repense pour rien pour rien quelques années plus tard et qu'on ressent un peu de honte. Ce sentiment semble amplifié mais à cela ajouter que la victime le ressent sans que ce ne soit réellement de sa faute. T'sais, on a tous déjà vécu par exemple ça, on a fait de quoi de honteux dans la vie puis j'ai puis là on y repense à un an et pour rien, on se dit ah oh, mon dieu que j'ai été con puis là tu pas le goût d'y penser puis tu ressens une espèce de, de petit pincement qui te fait dire je oh, j'ai été humilié cette journée-là ou je me suis humilié. Ben, imagine ça. Sauf que T'amplifier le sentiment avec de la tristesse, de la colère, de la honte, puis de la culpabilité. T'amplifier x 100, puis en plus pour de quoi qui n'est même pas réellement de ta faute. C'est comme ça qu'une personne qui raconte son histoire d'agression sexuelle se sent la plupart du temps. C'était tellement bien décrit, puis tellement clair que je me suis dit, waouh c'est une franche réussite. Puis en passant, autre chose aussi qui m'a mis vraiment hors de moi quand j'ai lu ça, c'est que, tu sais, la citation que je vous ai lue, là, elle me conseille vivement de ne pas porter plainte. C'est qui elle, vous pensez ben, elle, elle s'appelle Lise Payette. Lise Payette, c'était la première femme à avoir été ministre de la condition féminine sous le gouvernement de René Lévesque et c'était une personne qui était réputée pour défendre ses amis, même s'ils étaient des pédophiles et des violeurs. Elle a défendu Claude Jutras et dans ce cas-ci, elle a défendu l'agresseur de Léa Clermont-Dion. Et en plus, savez-vous ce qui est le plus douloureux? C'est que Lise Payette a toujours été l'héroïne d'enfance de Léa Clermont-Dion, juste qu'est-ce que cette journée-là, paf, surprise, tu devrais pas porter plainte contre lui. Il t'a pas vraiment violé et agressé. La notion de viol n'était pas là pendant Donc, euh, tu sais, j'ai toujours reconnu les apports politiques importants de l'Espagette, comme les congés de maternité, la fin de la tutelle des maris comme étant des très grandes avancées sociales. J'ai rien à dire là-dessus. Mais ça, ce qu'elle a fait en disant Tu as mis à mal une famille. Il n'a pas ses proches de se suicider. On voudrait pas qu'il arrive de quoi aux enfants. On a les moyens de te mettre dans la sais, Tout ce que Léa clermont on a reçu de cette femme-là, ce sont des menaces à peine voilées. Elle l'a forçait à signer une décharge. Et cette décharge-là, savez-vous à quoi elle a servi Elle a servi à faire en sorte que Michel Venn. Parce que en passant, le, en passant il se fait appeler John Doe là-dedans. Il ne se fait pas nommer. Parce qu'elle ne veut pas nommer. Parce que c'est son récit à elle qu'elle dit. Mais donc, Michel Venn voulait devenir directeur du devoir. Et il y avait besoin, à cause des rumeurs qui avaient circulé à son sujet. Parce que Léa Clermont-Dion avait déjà raconté l'histoire. Sauf que l'histoire a sonné des cloches dans la tête de personnes qui étaient presque présentes à ce moment-là. Notamment la femme de Michel Venn, puis une de ses meilleures amies. Ça a sonné des cloches. Et là, ça a créé des problèmes dans la famille et réputation. Fait que pour laver sa réputation, Michel Venn a, sans nécessairement forcer la main de Lise Payette, parce qu'on n'est pas capable d'avoir de preuves pour ça. Ben, elle, est allée chercher une lettre où tu disais que Léa Clermont-Dion avouait n'avoir jamais été agressée par Michel Venn, que c'était des... Des rumeurs, etc. Elle les a démenties, etc. Bref. Puis elle a même mis sa signature sous intimidation. Puis, en guillemets, avec son consentement, si on peut le dire ainsi. Pour moi, c'est horrible. C'est absolument, absolument horrible de faire vivre ça à une personne qui. C'est-à-dire ça. Puis en plus, faire dire des propos comme genre, t'es une belle fille qui est capable de causer du trouble. Arc. Genre vraiment arc, là. Je veux dire, je continue. Je continue la lecture de ce que j'avais gardé. J'en viens être en colère lorsque je lis qu'elle a fait des menaces voilées, des appels à l'émotion et de la manipulation à Léa Clermont-Dion en lui disant de ne pas dénoncer son agression, que ce n'était pas vraiment un viol, que cela allait nuire à sa carrière, qu'elle sait beaucoup de choses, que la famille de John Doe avait été détruite et qu'il avait été au bord du suicide. Je crois que la pire réplique est que Léa est une belle fille qui attire les ennuis, car cela la réduit à son apparence et sous-entend qu'elle vit, agit et fonctionne uniquement sur cette base. La décharge en échange de ne pas être poursuivie pour diffamation, c'est ça les menaces voilées, que l'espaillette lui fera signer et le coup de trop pour Léa et lire tout ça me met en tabarnak. C'est vraiment ce qui est écrit dans mes affaires. Genre, ça me met en tabarnak. Je, je fumais sur place en lisant ce livre-là. Je vous le dis. Mais savez-vous quoi Même si j'ai fumé sur place en le lisant, là, ben, je pense que c'est un livre que toutes les maisons qui abritent des femmes qui vivent des difficultés de la violence conjugale, des agressions sexuelles, devraient avoir sur eux autres. Parce que le message qui est porté là-dedans est vraiment important. Vraiment important. Et ça permet de mettre des mots sur des sentiments qui sont difficiles à expliquer pour ces femmes-là. Puis qui les ressentent, mais qui sont pas capables de l'expliquer clairement. Léa clermont dion a réussi à l'expliquer pour toutes ces femmes-là. Et ça, c'est une réussite. Donc, les dernières pages, en passant, contiennent le verbatim du jugement de la plainte qu'elle a faite contre Michel Venn. Très intéressant, puis révélateur en termes de droit criminel, soit dit en passant, parce que j'ai remarqué quelques petites affaires. Puis mon ressenti final, c'est une impression de soulagement, puis une claque au visage montrant le pire côté déshumanisant du droit criminel. Parce que vraiment, cette histoire-là a été traitée à froid par beaucoup trop de personnes comme une espèce de système dans lequel il faut placer les bons rouages au bon moment. Et ça, c'est vraiment froid et déshumanisant pour une victime. Vraiment. Alors, il faut tout discuter c'était l'affaire au bon moment. Si, puis ça, etc. Pour pouvoir gagner, puis toute l'équipe, puis que ça déclenche cette tête à C'est tellement genre robotique, structuré, puis organisé, que ça en vient dés déshumanisant. Alors que le drame d'une agression sexuelle, c'est un drame humain. Donc, bref, euh, je me suis donné certaines pages à lire, ok? Certaines affaires. Donc, Léa clermont résumé, nous raconte que Michel Venn, sans qu'elle le nomme, elle l'appelle John Doe tout le long, autrefois directeur de l'Institut du Nouveau Monde, alors qu'il était en train de se rendre à un événement politique et que sa femme et son assistante Léa, à ce moment-là, âgée de 17 ans, a tenté une agression sexuelle subtile sur la jeune fille en touchant ses cuisses et en mettant sa main dans ses pantalons. Voilà. Euh, elle le figé, ce que 80% des victimes font, soit dit en passant. Euh, donc, c'est pas vrai que parce que tu dis rien et que tu fais rien que tu consens. C'est 80% des personnes figent, garçons comme filles, soit dit en passant. Donc il euh, y a eu d'autres affaires après, je rentre pas dans les détails sur le sujet parce que c'est pas assez important. Sauf que là, après ça, ben, évidemment, tous ces sentiments-là font en sorte que Léa clermont on va vivre une vie difficile. Alcool, drogue pendant un bout de temps, culpabilité, honte, tout ce, que, tout ce qui peut venir avec. Donc, euh, elle envoie un tweet qui dit qu'elle a vécu une agression et elle va se faire convaincre, elle va le supprimer pas longtemps après, mais il y a des gens qui ont le temps de le voir et qui lui disent viens raconter ton histoire publiquement. Elle le fait sans nommer les personnes, sauf qu'à l'émission où elle est allée, il se trouve que la personne qui animait l'émission, c'était une des meilleures amies de la, son agresseur et que celle qui écrivait avec elle en collaboration l'émission était la femme de l'agresseur. Il y a des cloches qui ont sonné, même si le nom n'a pas été nommé. Ça a créé des problèmes. Et en 2015, Lise Payette, l'héroïne féministe de Léa, qu'elle admirait depuis son enfance, l'invite à aller dans une chambre d'hôtel, parle genre genre, amener, paf elle sort la décharge, les affaires que je vous ai dit tantôt. Genre, oh... Je me suis noté page 47-48 à lire. Mm -hmm. Je me débrouille de mieux en mieux. En jeune femme bien élevée, encore. Puis la teneur de la conversation change radicalement. Le regard rassurant de mon interlocutrice devient perplexe. Vous avez beaucoup parlé, Léa, et vous avez dû causer du tort à un ami. Silence, bégaiement. Je ne comprends pas et je bafouille. Lispalette m'apprend alors l'existence d'un homme que j'aurais brisé. Ma dénonciation de 2014 sur un plateau de Radio Canada aurait mené John Doe au bord du suicide. J'aurais détruit sa famille. Pourtant, je n'ai nommé personne. Elle me dit que je dérange, que des rumeurs courent, que je suis le genre de belle-fille qui menace, qui attire les ennuis. Elle prétend qu'un journal enquête sur John Doe parce que j'ai ébruté mon histoire. Elle me conseille vivement de ne pas porter plainte contre lui car je pourrais nuire à ma carrière. Il serait préférable que je me taise. D'ailleurs, John Doe ne m'a pas violée et il vaut mieux ne pas en faire tout un plat. Elle m'avertit qu'elle sait beaucoup de choses. Je suis abasourdi. Prise de court par ce renversement de situation, Lise ajoute que John Doe considère l'idée de me poursuivre en diffamation. Je m'effondre et je veux m'en aller, m'empêtre dans une panique croissante. J'en ai marre d'être la bonne fille. Je ne trouve pas les mots pour riposter. J'encaisse la peur au ventre. Pour éviter une éventuelle poursuite pour soulager la peine de ses enfants, Lispayette m'explique que je dois signer une rétraction où j'affirme ne pas vouloir nuire à la famille de John Doe et exprime mon regret d'avoir parlé de mon agression sexuelle. Mon idole a tout prévu, j'obéis, je tape les mots qu'elle me dicte. Ça fait mal en tas de lire ça. Je veux dire, ça, là, c'est immonde pour une femme qui a été victime d'une agression sexuelle de devoir faire ce genre de propos-là, tenir ce genre de propos-là et s'en tenir à ça. C'est hallucinant. Je, je ne comprends pas comment une pionnière en termes de féminisme a pu faire ça. Ben, en fait, la réponse, c'est qu'elle a défendu Claude Dutra aussi. C'est clair, mais Lise Payette, aujourd'hui, moi, je, même si j'admire tout ce qu'elle a apporté à la politique par rapport aux femmes, je n'admire pas la personne qu'elle était, mais pas du tout. Puis, je trouve que le revirement, situation finale, a qui a permis à Léa Clermont-Dion de gagner son procès, est une belle claque d'en face à Lise Payette, soit dit en passant. Je vous invite à lire le livre pour, com à lire le livre pour comprendre. Mais je vais en parler brièvement tantôt sans révéler ni spoiler. Donc, bref. Euh, il y a cette histoire là et ben on réalise tout simplement en fait que le monde politique peut être vraiment genre puis le monde des grands peut être très menaçant pour une personne qui sait pas trop comment s'y retrouver puis comment s'habituer à ça. Je veux dire, il a fait signer une décharge, à invité d'une chambre d'hôtel, on dirait un scénario de corruption politique dans un film là. Se faire inviter d'une chambre d'hôtel pour signer une décharge puis se faire menacer de manière voilée que si tu parles trop, il va t'arriver des choses horribles. On dirait un on dirait un scénario de film, là. Sincèrement, là. On peut pas imaginer que ça se passe pour vrai au Québec. Mais crif, oui. Oui, ça s'est passé. Bref. Donc, bref. Euh, sinon, il y a un point aussi que les Hockey parle qui est vraiment important. Ah oui, c'est vrai, puis je voulais préciser. Le livre est écrit au jeu. Ce qui est très intéressant comme approche parce que ça permet de... Vraiment, en plus, s'attacher au, perso au, ben, au personnage à Léa Clermont-Dion directement, ça permet de mieux la comprendre, de mieux s'approprier son récit, le fait qu'il soit au jeu, puis il est beaucoup plus immersif ainsi. Là-dessus, c'est une très bonne réussite, puis elle décrit beaucoup ses émotions avec des mots, ce qui est la chose la plus difficile à faire pour une femme qui a vécu une agression sexuelle. Donc, ce faisant, je crois que c'était la bonne option de style de narration et d'écriture. Totalement. Donc, un autre passage que je voulais vous lire à la page 52, c'est contre, c'est contre, c'est, voyons, c'est parler de la victimisation secondaire, ok Concrètement, la victimisation secondaire se manifeste par une panoplie d'attitudes comme celle de banaliser les torts causés à la victime en lui demandant par exemple de passer à autre chose, de remettre en cause son témoignage, de déresponsabiliser l'agresseur en insinuant qu'elle aurait couru après, de faire pression sur elle pour obtenir des informations ou encore de la tenir pour responsable des conséquences de la dénonciation sur l'agresseur. Ces réactions négatives ravivent les stigmates rattachés au crime et peuvent affecter l'estime de soi. En bref, la victimisation secondaire peut s'avérer dévastatrice et créer des blessures importantes, dont des sentiments d'injustice, de trahison, de culpabilité, de peur et d'impuissance. En gros, la victimisation secondaire, c'est que la victime, en fait, devient. La... C'est elle qui se fait juger quasiment comme l'agresseur. Genre, c'est de sa faute si c'est arrivé. Mais la victimisation secondaire, c'est qu'on transforme celui qui a posé les gestes en victime de gestes indirects que la femme a faits. Souvent, parce qu'on va parler que c'est la femme. Mais sauf que ça accepte, cet raisonnement-là accepte l'idée que la femme existe pour plaire à l'homme et être un objet de désir pour l'homme, ce qui est absolument faux. C'est une notion qui est complètement anti soit dit en passant. Euh, non, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter cet état-fait-là pas du tout en mon âme et conscience, c'est un état de fait que je peux pas accepter, mais qui est tellement propagé par les opinions des gens en général indirectement et ça c'est devenu ce qu'on appelle la culture du viol, soit dit en passant là, les gens aiment pas entendre ce mot là, mais quand on parle de culture du viol, c'est exactement de ça qu'on parle, de la victimisation secondaire. Euh, à travers tout ça, sinon ben elle raconte tout le processus de plainte, elle raconte aussi l'histoire de l'évolution criminelle, l'évolution de la notion criminelle d'agression sexuelle. D'ailleurs. Avant la réforme du code criminel en 18... 1976 et 1983, les femmes qui portaient plainte étaient considérées comme aussi peu crédibles dans leur témoignages que les complices de criminels et les enfants de bas âge. De plus, si elles ne portaient pas plainte dans les jours qui viennent, elles perdaient aussi de la crédibilité. Les juges recherchaient également des preuves physiques de la lutte, comme des blessures, et croyaient qu'une femme qui voulait vraiment se défendre le ferait fortement. Donc, ils ne savaient pas que 80% des femmes figaient. Ce faisant, un non pouvait valoir légalement dire un oui. Et le silence, l'immobilité et le fait de figer étaient considérés comme une forme de consentement. Finalement, il fallait un témoin de l'agression pour corroborer la version de la victime. Mais les hommes n'avaient pas besoin de ça. Ça veut dire, grosso modo, qu'on ne considérait même pas que les agressions sexuelles pouvaient se passer dans des couples. Et ça, intéressant. En 92, une autre réforme est arrivée car des avocats de la défense s'amusaient pour faire gagner leurs clients à jouer la carte de l'examen de la moralité sexuelle des femmes afin de miner sa crédibilité et laisser place au doute raisonnable. Si important dans le droit, dans le criminel. En gros, si tu as un doute raisonnable que la victime. Que l'accusé pourrait ne pas être coupable. Donc, il faut vraiment qu'il soit coupable hors de tout doute raisonnable. Hors de tout doute raisonnable. Fait que si tu réussis à questionner la moralité de la victime, puis qu'elle aurait peut-être pu provoquer, puis jouer la guicheuse avec, ben, on considérait que ça instillait le doute raisonnable, et donc ça permettait de sauver l'agresseur. Fait que les avocats de la défense jouaient ça pour faire gagner leur, leur client. Et évidemment, c'était dégueulasse complètement, on s'en doute bien, parce que ça encourageait le stéréotype comme quoi les femmes courent après les agressions, puis c'est carrément du slot shaming, si on peut le dire ainsi. Donc, de juger la moralité sexuelle d'une femme, c'est non. Ça a été changé en 92. Ensuite, en 2018-2019, il y a des femmes autochtones disparues et assassinées. Il y a eu des enquêtes canadiennes sur le sujet. Statistique, 63% des femmes ont vécu une agression sexuelle et ou physique. Voilà. C'est à peu près ça. Euh, sinon, à part de ça, euh, quand Léa Clermont-Dion a décidé de porter plainte, elle a décidé d'appeler Lise Payette pour le dire. Et de lui expliquer, puis son verbatim est enregistré. Soit dit en passant, ce verbatim-là va être une preuve hyper importante dans le procès de Léa Clermont-Dillon. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'elle va donner une version écourtée où ce qu'elle fait juste expliquer sa démarche, mais elle ne donne pas tout. L'avocat essaie de dire pourquoi vous avez modifié l'enregistrement, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, pour essayer de faire baisser la crédibilité de la personne. Finalement, elle va donner l'enregistrement au complet, mais l'avocate va dire Ouais, mais vous avez essayé de tromper le juge, donc vous avez des choses à cacher quand même. Fait, même de faire amende honorable en donnant l'enregistrement complète. N'a pas été suffisant aux yeux de l'avocat de la défense pour ça. Mais vous allez voir, il va y avoir un revirement de situation. Donc, bref, euh, j'ai d'autres pages que je voulais vous lire aussi. Donc, par exemple, page 84-85, ici, par rapport à la psychologie, justement. Euh, je m'étais dit ça. Donc, j'y vais à plus. Hey, salut Dark Simpson, à plus. Donc, euh, psychologie. Petite affaire importante aussi. Romito a consacré plusieurs décennies à l'étude des violences faites aux femmes et à leurs effets sur leur santé mentale, décortiquant finement les rapports de domination systémique à l'œuvre dans nos sociétés. Selon ses observations, les violences contre les femmes et les enfants se manifestent au quotidien dans une multitude de gestes et de mécanismes de contrôle visant à restreindre leur liberté. Contrairement aux croyances admises et malgré les progrès accomplis dans les mentalités, la violence sexuelle envers les plus faibles demeure courante. Dans son ouvrage Un silence de morte, une référence en la matière, Romito s'est intéressée à notre déni collectif et a tenté de comprendre pourquoi les agresseurs bénéficient d'une telle impunité en dépit de l'ampleur du phénomène. Elle a interviewé des centaines de femmes violentées recueillant des histoires condamnées au silence, singulières et percutantes. Un élément commun qui les relie cependant, le manque de soutien ou l'inadéquation des solutions proposées par les institutions sociales comme la police, les tribunaux, les hôpitaux, les services sociaux, l'école et même la famille. La psychologue a choisi d'examiner comment sur le plan individuel chacun et chacun de nous reproduit l'exclusion des victimes évoquées ci-dessus. Par exemple, un enquêteur qui incite une personne à retirer sa plainte pour agression sexuelle n'a pas conscience que son action participe à l'invisibilisation des violences envers les femmes en général. Romito observe dans nos comportements une constante qui consiste à tenir les victimes pour responsables de leur situation. Cela va de l'insulte et du dénigrement à la volonté de nuire même chez les proches. C'est la femme battue qui provoque les coups en rouspétant, en désobéissant, en cuisinant mal. C'est la femme agressée sexuellement qui a couru après son viol en buvant trop, en étant habillée de telle manière. Ce transfert de la culpabilité aux victimes autorise notre détachement moral et contribue à légitimer leur exclusion sociale. S'ensuit ensuite chez ces dernières un phénomène corollaire dauto tant que leur solitude, leur sentiment de peur et de honte les empêcheront de dénoncer ou de persévérer dans leur dénonciation, la boucle sera bouclée et les prédateurs restés impunis s'éviront. C'est exactement ce que notre société fait, en fait. Notre société, elle fait ça avec nos victimes. Donc, euh, je veux dire, clairement, ça pose un énorme problème. Euh, sinon, autre chose aussi, je voulais lire par rapport aux témoignages et aux plaintes. Donc, euh, témoignage. Donc, l'enquêteur Raymond me demande de raconter mon histoire au mieux de ma connaissance. Son collègue prend des notes. J'apprendrai plus tard que ces informations déterminantes dans l'issue d'un procès seront remises à la Cour. Je n'avais pas compris que tout ce que je dirais ce jour-là serait analysé à la virgule près et rappelé lors de mes interrogatoires. La première déclaration constitue la pierre angulaire des procédures judiciaires. C'est le cœur de la preuve. Je poursuis mon discours sans avoir reçu aucune aide pour le préparer. Je tente de me montrer rationnel, le plus précis possible. Les enquêteurs ont beau être courtois, leur présence chez moi demeure intrusive. L'enquêteur Raymond est à l'écoute et accommodant. Je lui accorde rapidement ma confiance. Les enquêteurs repartent avec leur mallette. Il y a quelque chose de surréel à les voir s'en aller ainsi, mon destin entre les mains. Pas dupe, je présume tout de même que ma place dans la société influence le traitement qu'on me réserve. En effet, toutes et tous ne s'équivalent pas devant la loi. Quelques années après cette rencontre, j'ai colligé des témoignages de personnes traitées injustement par la police dans un documentaire que j'ai co-réalisé qui s'appelle T'as juste à porter plainte que j'écouterai sans aucun doute et que je suggère d'écouter, soit dit en passant. Moi j'ai juste vu Je vous salue salope de Léa Clermont-Dillon, justement. Lui il est dans ma liste à écouter t'as juste à porter plainte. Les groupes minoritaires font souvent l'objet de profilage racial durant le dépôt de leurs plaintes. Et que dire des femmes autochtones dont les contacts avec les corps policiers n'ont historiquement jamais rien eu de rassurant? Une jeune femme noire de Québec, Erika Vincent, n'a pas eu ma chance. Erika Vincent a vu sa demande de poursuite judiciaire refusée par la couronne. Elle a raconté à Annabelle Cailloux comment son enquêteur l'avait infantilisée, la questionna de manière dégradante. L'enquêteur m'a demandé si je trouvais mon agresseur attirant, s'il si pouvait être mon genre même s'il était plus vieux. Il m'a demandé si j'avais une éjaculation féminine, si j'avais eu du plaisir quand il me violait. Elle trouvait-tu beau? Elle un moment donné une autre, t'as-tu ressenti du plaisir? T'as-tu un orgasme, des, des éjaculations? T'as-tu fermé tes jambes assez fort? <laughs> t'as juste à porter plainte, nous dit-on sans relâche? Et si c'était douloureux, voire inutile de le faire? Mais ouch, imaginez-vous, t'arrives à la police, tu t'es fait agresser sexuellement, tu ressens tout ce que je vous ai nommé tantôt, la culpabilité, la honte, le sentiment d'être dégueulasse, d'être une merde humaine à cause que tu as ça, tu te demandes pourquoi, puis est-ce que t'as mérité ce qui t'est arrivé? Puis là, t'as la police qui vient de confirmer que oui, t'as tout mérité ce qui t'est arrivé. Parce que si t'as ressenti du plaisir, c'est que tu le désirais au fond de toi. Que tu étais le déchet qui désirait ce genre de geste violent-là. Imagine. Puis le fait que ce soit spécifiquement racisé comme approche, c'est ça qui est encore plus dégueulasse, puis encore plus dégradant. Puis je reviens aux à ce que je dis au témoignage plainte. Ça, je me permets de le dire haute voix parce que je le sais, puis je me le suis fait confirmer par des gens qui étaient spécialistes là-dedans. Quand tu fais une plainte à la police, là. T'écris ton témoignage, ce témoignage-là, tu ne peux plus le changer. Et il va être donné aux avocats de la défense de celui que tu poursuis, puis ils vont l'analyser virgule par virgule comme preuve pour pouvoir être capable de, de contredire la victime, de trouver des failles, etc. C'est pour ça que quand je donne un conseil à mes élèves, quand on leur enseigne ces sujets-là, puis qu'on leur en parle, je leur dis dès que ça finit, la première chose que vous devez avoir comme réflexe, c'est écrire. Tout ce que vous vous rappelez. Tout ce qui s'est passé le plus possible dans les détails que vous voulez. Tout, 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 tout. Vous écrivez tout, 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 tout. tout. Puis, vous appelez la police. Direct. J'ai été agressé sectionnement. faut que j'aille à l'hôpital pour avoir une trousse médico-légale tout de suite. T'as ta preuve physique. T'as ton témoignage écrit. Bang! Tu fais ça. Merci, bonsoir. Tout est réglé. Tout est réglé. Tu décris tout. Puis avec ça, t'as les meilleures chances de trouver justice. Ça, c'est le conseil que je donne. Mais c'est pas facile parce qu'il y en a plein que ça leur prend des années puis que c'est long avant que ça arrive. Mais dans l'idéal, c'était si capable d'avoir le recul pour faire ça au moment venu. Tu la police, j'ai été agressé sexuellement, j'ai besoin d'une ambulance tout de suite pour aller à l'hôpital. Il t'amènent là. Pendant que tu ta t'écris sur ton téléphone cellulaire tout ce que tu te rappelles. Ok, ben, il s'est passé ça, ça, ça. C'est arrivé dans tel contexte. La personne était habillée comme ça. Elle avait les cheveux de telle couleur, etc. Les yeux de telle couleur. Tout. Tu mets tout ce que tu peux. Puis Une fois que tu as gardé ça dans ton téléphone, quand. Tu sorti de l'hôpital, que tu es chez vous, que tu termines tes émotions. Là, ce que tu fais, c'est que tu as un brouillon de témoignages. Tu dis, ok, tu mets tout en ordre chronologique, tu, une fois que tu as fini ça, tu gardes ton modèle dans ton téléphone, sur un papier, peu importe, puis là, tu t'en vas avoir la police, tu as ton témoignage déjà prêt, puis là, tu as tous tes indices possibles, tout ce que tu vas avoir oublié. Parce que les gens ne savent pas, souvent, c'est que le cerveau occulte les événements traumatisants et va vous faire oublier la plus importante partie des détails des agressions sexuelles. Parce que ce sont des événements traumatisants. Donc, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Est-ce que c'est facile à appliquer Pas du tout. Vraiment pas. Parce que personne ne réagit de la même façon face à ça. La science nous le prouvé. Mais si tu es capable de le faire, puis tu as la capacité de le faire, puis la résilience pour le faire, c'est garanti que, rendu à la poursuite judiciaire, en un claquement de doigts, il, il est condamné il y aura à peine de questions. Donc, c'est ça ici. Maintenant, autre passage à lire par rapport aux enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires, les gens ne savent pas beaucoup ce que c'est. Donc, je me permets de le dire. C'est quoi d'ailleurs une enquête préliminaire? Je m'apprête à boucler une thèse de doctorat et je suis pas foutu de le savoir. Google me mène vers un tas de liens. J'assimile les informations avec un fort sentiment de déjà-vu. La procédure ne s'applique qu'aux infractions au code criminel les plus graves. La poursuite y présente ses éléments de preuve à un juge de la Cour du Québec qui décidera si justifie la tenue d'un procès. Le poursuivant, c'est-à-dire le procureur de la Couronne, peut convoquer des témoins, dont ma mère, pour étayer sa preuve. L'équipe qui défend John Doe en contestera la solidité lors d'un contre-interrogatoire. En revanche, la défense pourra garder pour elle sa version des faits jusqu'au véritable procès. Donc, c'est comme ça que ça marche une enquête préliminaire, grosso modo. Donc, euh, finalement, au niveau chronologique, qu'est-ce qui va se passer après euh, En 2020, un coup frappe Clermont-Dion, parce que Gilbert Roson est déclaré non coupable dans son procès contre Annick Charette, qui, avec qui il y a eu une histoire d'agression sexuelle 40 ans auparavant. Puis, euh, Roson, qui avait déjà été condamné dans le passé, n'a pas réussi à se faire condamner. Là, là. Donc, il y avait une absolution conditionnelle autrefois pour un viol sur une croupière de 19 ans. Il a su maintenir le doute raisonnable si cher au droit criminel, donc il a été acquitté à cause de tout ça. Puis tout juge doit se poser trois questions. C'est comme ça que c'est mentionné. Un, est-ce que je crois à la version de Roson Si oui, il est acquitté. Sinon, est-ce que la version de Roson crée un doute raisonnable Si oui, il est acquitté. Sinon, on se pose la dernière question est-ce que malgré le fait que je ne le crois pas, la preuve de la poursuite me convainc hors de tout doute raisonnable Si oui, on le déclare coupable. Sinon, il est acquitté. Fait il y a plus de chances d'être acquitté que d'être déclaré coupable. Donc, Annick Charlotte va donc révéler à tout le monde en parle comment tout s'est passé, puis confirmer les informations que je viens de vous donner sur enquête préliminaire, témoignage, etc. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Euh, tiens, ah oui, c'est vrai, j'avais à la page 118 une autre histoire d'inégalité devant la justice de Nafi. Peut-être peu, faut que je le lise correctement. De Nafi Diallo. Donc, euh, voilà. 14 mai 2011, Nafisatou Diallo, une femme de chambre new-yorkaise d'origine guinéenne, accuse Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration. L'Express a publié les notes médico-légales de l'hôpital Saint-Luc Roosevelt où elle a été examinée. Elles établissent que les blessures observées sur son corps et ses organes génitaux ont été causées par un viol. Le procès pénal de l'ex-directeur général du Fonds monétaire international n'aura pourtant pas lieu. En août, Cyrus Vance Jr., le procureur de Manhattan affecté à l'affaire, demande au juge d'abandonner toutes les charges pesant sur lui. Selon lui, les versions incompatibles que Diallo a données de l'événement, une fraude fiscale commise par le passé et de fausses déclarations au service de l'immigration compromettent sa crédibilité. Une déferlante de haine se déchaîne. La New York Post la traite de prostituée à sa une et... Des assaillants la pourchassent jusqu'à la porte. Des groupes de défense des droits civiques afro-américains comme le 100 Blacks in Law Enforcement, ou CARE, affirment qu'elle fait l'objet de racisme et de misogynie. La plainte est rejetée et la poursuite civile de dialogue se conclura par une entente à l'amiable en 2012. Donc, ça, ça pose un problème. Ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là, c'est une victime. Avérée d'agression sexuelle, toutes les preuves étaient là, mais on lui a fait un examen de moralité et cet examen de moralité-là a compromis sa crédibilité, a fait en sorte que les poursuites ont été abandonnées. Pour quelle raison? Simplement parce qu'elle n'était pas exempte de toute moralité. Simplement parce que ah, ben elle a fait si, ça. Il faut qu'une victime, aux yeux des gens, doit être parfaite. Elle ne doit absolument laisser planer aucun doute qu'elle aurait pu être une provocatrice de ce qui lui arrive. Et le problème avec cette mentalité-là, c'est qu'encore une fois, ça sous-entend que les femmes existent pour être l'objet de désir d'hommes. C'est faux. Ça les objectifie encore. C'est le geste qui doit être puni. Et on doit s'en tenir à ça. Donc, je suis désolé, mais cette histoire-là, elle est absolument horrible. Bref. Puis ensuite, bon. Il y a eu l'histoire de Eric Salveille, que Donald Duguay a été trop contradictoire dans ses témoignages. Eric Salvay est acquitté. Pendant ce temps-là, depuis 2017, la plainte est déposée de la part de Léo Clermont-Dillon. Puis là, il est comme, fuck, ah, ça va-tu donner quelque chose finalement? Fait que là, on arrive avec ça. Jour 1, présentation des preuves, interrogation par. Euh... L'avocat de la défense, interrogation par le procureur de la couronne. Journée difficile parce qu'on déteste des souvenirs et des émotions confus. Jour 2, on continue, on interroge victimes, témoins, etc. Et cette journée-là, on tente de la faire fléchir. Première tentative de l'avocat de la défense pour la faire fléchir. Faire croire que potentiellement Léa avait une proximité avec le patron parce qu'elle le tutoyait en lui faisant des becs sur les joues. Léa clairement dit On déteste le contact physique avec les gens, donc non, c'est pas crédible, mais elle sous-entend ça pour essayer de justifier qu'il y avait un contact physique avec la personne qui était proche. Ça n'a même pas rapport, OK? Moi, je peux donner un bec séjour à une de mes amies de fille, ça veut pas dire que on va, je, je vais aller la toucher les fesses ou quoi que ce soit, tu sais, ça marche pas, là. Donc, ensuite, deuxième tentative, laisser croire au juge que Léa avait modifié l'enregistrement, je vous en ai parlé tantôt de son verbatim avec Espagnette, elle a envoyé une version écourtée qui va à l'essentiel, sauf qu'elle a fini par livrer l'enregistrement complet à la demande de l'avocat de la défense parce que ça avait été modifié, et a dit, ah ben, le, elle le fait ça, fait qu'elle a de quoi cacher, pourquoi vous avez fait ça, ta 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 ta. Tout ça ne sont que des questions qui servent à placer un doute raisonnable dans la tête du juge. Tout ça ne sert qu'à ça. Parce que dans les faits, ça ne change rien. Parce qu'ils ont réécouté l'enregistrement complet, puis ils se sont rendu compte que ça ne changeait rien à la globalité de l'histoire. Donc, voilà. Et finalement, Lise Payette était décédée, donc il n'était pas là pour corroborer la version des faits ou de quoi. Sauf que le fils de Lise Payette a trouvé la lettre. Que Léa clermont avait signé, il est allé la donner au procès et donc au procureur de la Couronne. Sauf que cette lettre-là, elle est en possession de la défense depuis longtemps parce que c'est lui qui l'avait ramassée. Parce que la lettre, on n'avait jamais donné de copie à Léa de tout ça. Elle a signé la lettre, ils sont partis avec les copies, Michel Venn en a gardé une, paf, merci, bonsoir. Ben, Elise Payette aussi. Cette lettre-là, en fait, la défense la possédait, c'était une preuve qu'il n'avait pas déposée. Et. Là, maintenant qu'ils l'avaient, ils ont déposé la lettre, puis c'est ça qui a fait en sorte que le procès a pris un autre virement. À cause de ça, la lettre, ils ont réalisé Ah Cette preuve-là d'abord n'a pas été déposée par la défense, donc ça veut dire que ça pouvait leur nuire. Et la preuve que ça peut leur nuire, c'est ce qui est écrit dessus ça vient corroborer le fait qu'on a tenté d'acheter le silence de Léa clermont dion puis de la menacer indirectement. Et ça implique qu'il y avait vraiment quelque chose de suffisamment grave pour que ça mérite le tout. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que Michel Venn a fini par perdre son procès et être condamné à six mois de prison. Et il a porté la cause en appel. En plus, le tabarnak. Imaginez. Donc, c'est à peu près comme ça que l'histoire se termine. Le, le livre se termine sur un message d'espoir. Donc, il y a le verbatim au complet du jugement qui est très intéressant et qui nous démontre aussi à quel point, sans la lettre, le jugement n'aurait pas été le même. C'est la lettre qui a fait la différence. Imaginez. Donc, c'est un message d'espoir au sens que, oui, tu peux gagner et retrouver justice, bien entendu. Ça montre aussi, regardez, il y a des gens qui ont fait ces erreurs-là, ne les faites pas. Voici la preuve. Et c'est pour ça que je pense que ce livre-là devrait être vendu partout, être lu par tous les hommes et toutes les femmes, premièrement. Mais je pense surtout que tous les organismes qui viennent en aide à des victimes de violences conjugales, de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles devraient avoir des copies de ce livre-là. Parce que clairement, ça nous permet de savoir à peu près ce qui nous attend, de mettre des mots sur des émotions que ces femmes-là, des fois, n'ont pas la capacité de faire. Donc, en gros. Euh, très très grosse recommandation et bien entendu les sources d'inspiration très simples c'est son histoire à elle euh, sinon bah ben, tu Léa clermont Dion est très connue pour tout ce qu'elle a fait tu je veux dire elle a fait des euh, elle a fait beaucoup de choses elle a fait des documentaires elle a écrit des livres elle a fait des conférences c'est une militante activiste pour les droits des femmes euh, c'est son histoire tout simplement son histoire expliquée au jeu avec ses émotions à elle c'est très très bien écrit très très bien réussi puis pour vrai euh, très très chaud de recommandation puis euh, moi, je vais aller au salon du livre, puis je vais la rencontrer. Et quand je vais la rencontrer, puis que je vais lui demander de signer le livre, ce que je vais lui dire, c'est Ça là, c'est pas un livre que je vais garder. Moi, je l'ai lu, j'ai compris le message qu'il y avait dedans. Mais il y a des personnes qui ont besoin de lire ce livre-là, parce qu'ils ont vécu quelque chose. Fait que, signe-moi ce livre-là, comme si tu t'adressais à une victime. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire Moi, c'est ça que je vais lui demander quand je vais la rencontrer. Parce qu'un jour, ce livre-là, il va aller entre les mains. Il sera plus entre mes mains. Il va aller entre les mains de quelqu'un qui en a besoin. Puis cette journée-là, je veux que la première chose que la personne voit en l'ouvrant, c'est qu'elle voit un message qui va la convaincre de sa valeur réelle en tant que personne. Donc, bref. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Donc, ça, ça fait le tour de mes lectures pour ce, pour ce mois-ci. Donc. Fait que c'était... Il y a eu des sujets qui étaient lourds. On a parlé de sciences de politique, de philosophie. On a parlé de d'agression sexuelle. On a parlé d'enjeux sociaux. Merci pour les bits, Rémi, Et on a parlé d'inceste. Voilà. On a parlé de Game of Thrones un peu. Euh, en, mettons en ordre de recommandation celui-là en premier. Euh, obligatoire, il faut absolument avoir lu ça dans sa vie. Je suis désolé, c'est un must. Je veux dire, pour moi, c'est trop important pour être mis de côté. Puis il y a tellement trop de progrès à faire encore qu'on ne peut pas se permettre de ne pas le lire. Puis c'est pas long en plus, c'est même pas 200 pages. Donc, recommandation numéro 1. Euh, recommandation numéro 2, euh, ceci. Donc, euh, Game of Thrones, partie 1 et 2 de feu et sang. Très, très chaude recommandation à lire également. Très important. Ensuite, je dirais euh, ces bd là Donc, une très très belle découverte. Euh, accessible à tout le monde. Euh, Particulièrement pour les gens du Québec, euh, très très chaud de recommandation cette petite série de BD là. Et sachez que si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un commentaire sur YouTube, m'écrire dans le chat, m'écrire sur Discord, m'écrire où ce que vous pouvez et je vous mettrai en contact avec l'auteur. Puisque vous ne pouvez pas acheter ces livres là dans des librairies, vous devez les acheter directement parce qu'il a fait le choix de s'auto-éditer lui-même et de faire imprimer ses propres affaires. Ça reste très bien écrit, etc. Mais ça lui permet de garder 100% des profits qu'il fait. Donc si vous en voulez, dites-moi là. Et je vais vous recommander, ça va me faire extrêmement plaisir. Et euh, ensuite, ben Salem, euh, un très bon livre aussi, puis il est en avant-dernier, mais c'est juste parce qu'il y a tellement de la grosse compétition ce mois-là. Mais ça reste un excellent Stephen King, c'est le projet de sa vie, c'est son bébé, son roman préféré. Et juste pour voir à quel point l'auteur a découvert son style avec ça, ça vaut la peine de le lire, parce que tout de suite après, son prochain livre, c'est Shining, puis Shining, c'est le paroxysme de la réussite du style de Stephen King. Et de voir. La progression entre Carrie, entre Salem et Shining, ça vaut la peine. Donc, lisez Salem, c'est un très bon livre. Puis le dernier, ben, c'est même pas une recommandation. Chris moi poubelle au plus vite. Ou donnez-le puis faites de l'argent avec, je sais pas, faites quoi. Donc, uh, Sapiens, c'est ça. C'est un très, 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 très mauvais, très mauvais roman. Bref. Donc, pour le mois prochain, je ne serai pas seul le mois prochain, comme je le disais en début de vidéo. Je serai accompagné de Roxane Drolet de Une Seconde Rox qui est une booktubeuse qui euh, fait des livres et des analyses, euh, fait, fait pas des livres pardon, fait des analyses littéraires sur des romans, spécifiquement des romans qui sont souvent prévus pour être lus au secondaire. Donc le but c'est de les aider si on ce livre là à lire, à comprendre qu ce que ça veut dire etc. Et il y a beaucoup de romans québécois à travers eux et j'ai donc fait une petite sélection de livres qu'elle a présenté. Sur sa chaîne YouTube, et ça va être une petite thématique et livres suggéré par Une Seconde Rox. Le premier que je suis en train de lire, c'est celui-là ici Comment devenir un monstre de Jean-Barbe. Euh, c'est très bon. Euh, je suis rendu à peu près ici. Je suis rendu à, au deux tiers. À date, c'est excellent. Ça parle d'un homme qui se fait appeler le monstre et qui attend son procès et de son avocat qui tente d'enquêter pour découvrir pourquoi le monstre est plongé dans le mutisme après avoir tué un enfant. C'est très bon. Très, très bon. Tout à découvrir. Un roman jeunesse. Le petit garçon au pyjama rayé de John Boyne, ça nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve quelqu'un dans un, dans un camp de concentration à côté de chez lui qui est en pyjama rayé et avec qui il va tisser des liens. On est en Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Je vous laisse réfléchir au reste. Et le roman euh, se finit... Si vous avez vu le film, vous savez comment ça se finit. Vous allez comprendre. Je n'en dis rien de plus. Vous verrez. Un classique littéraire, La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt. On reste dans la thématique. On parle de l'histoire d'Adolf Hitler. Mais la partie d'histoire aussi, qui aurait pu arriver s'il si avait été accepté à l'école des beaux-arts. Qu'est-ce qui aurait été cohérent, etc. Donc, très, très bon roman apparemment. Un classique de la littérature, puis un des auteurs les plus lus au monde. J'ai très hâte de découvrir La part de l'autre que je n'avais jamais lu. Et le livre, si c'est un homme de Primo Livi. Donc, ça parle encore une fois de l'Holocauste et comptons-en. Donc, euh, en fait, euh, ben, écoutez, quatrième de couverture, on est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'holocauste. On est convaincu d'en savoir au moins autant, et convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte quelquefois devant l'accumulation. On a envie de crier grâce, c'est que l'on n'a pas encore entendu Lévi analyser la nature complexe de l'état du malheur. Donc, euh, peut-on prouver aussi bien que Lévi, qui a l'air de re nous retenir par les basques au bord du menaçant oublie Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. Alors, ça va être très intéressant aussi. On reste un peu dans les thématiques et tout. Donc, je vais lire ces livres-là et je vais peut-être en lire d'autres, mais au moins ces quatre-là. Et ce seront ces quatre-là qui seront discutés avec Rox le prochain review de lecture le 6 mai. Alors, soyez assurés d'être présents. Ça va être des belles discussions. On va faire de l'analyse ensemble. Et on s'est préparé chacun une liste de suggestions respectives qui entrent dans ces critères. Parce que Rox a déjà fait une vidéo dans laquelle elle fait des suggestions littéraires pour la journée du 12 août avec des critères spécifiques. Ça y prend un roman un tel, de tel type d'auteur, un roman de tel genre, etc. J'ai combiné tout ça et j'ai fait une liste de romans à suggérer. Et elle en a fait une également. Donc j'ai très hâte de lui suggérer les miens et d'entendre ses suggestions qui vont très probablement se retrouver dans la bibliothèque et être lues éventuellement. Donc sur ce, c'était une fin de live. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc je vous dis au revoir. Puis on se retrouve. La semaine prochaine, lundi, pour le podcast Seigneur sur le cinéma d'horreur, on va parler de comédie d'horreur et je serai avec Antithèse et avec Your With Stupid. On va, on, on va avoir du fun. On va rire. Parce qu'on est proche du Poisson d'Avril. C'est ce qu'on s'est dit, Il fallait faire concept un petit peu. Même si techniquement hein, aujourd'hui, au moment d'enregistrer le Poisson d'Avril. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de blague euh, quoi que ce soit. Il n'y a pas euh, de blague quelconque. Vraiment, le 8 avril, on parle de comédie d'horreur, tout simplement. Et sinon, ben évidemment, demain, ben, je vais pratiquer ma run de Super Mario World. Donc, euh, soyez sûrs d'être présent. Donc, je vous dis au revoir à tous, puis à la prochaine. Ciao, ciao